Et bienvenue, Diablesse, bien sûr, Diablesse, et bienvenue dans comment le stream. Bah oui, bienvenue. Ah, ça fait plaisir de t'avoir. Ah, et ben voilà, et ben voilà, et ben c'est pour ça. Tu vois, il est là, on fout le full d'envoi. Hein, toujours, toujours. Hein, on lui en veut, c'est ça. Ah là là. Donc on nous voit là. Ouais, vous êtes toujours live. Ah bon. On a eu un problème de son. Ça. Attends, je fais le geste des signes. Ah. Pour tout donner. Je t'aime. Bon, tu me dis quand on relance. Non, non, c'est bon, allez-y, vous pouvez. Ah, on entend là. C'est bon, on m'entend. Ouais. Ah bon, alors, les tests pour les gens qui n'ont pas la parole, c'est fait, je rappelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée. Bonjour. FDJ Open Series versus Fighting, applaudissements. Voilà. Bon, je refais voilà. Mon intro avec moi, Maxi Dan, qui n'est pas là. Il continue à bronzer. Il bronze. Parce qu'il a envie de bronzer, il est en vacances. C'est le mec, le mec. Et je disais donc qu'avec moi du lourd, non pas au niveau physique mais au niveau intérêt, parce que c'est la perle du versus fighting, le prince du gaming, le diamant brut. Oui. C'est beau, hein. C'est beau. Monsieur Karaté est avec bonjour. Nous. Je rapplaudis. Bonjour. Je rapplaudis. Bienvenue. Et bienvenue dans le stream, première fois pour toi. Première fois, non, pas du tout. C'est le mec qui n'importe quoi. Mais non, quoi. Je t'ai vu dans l'émission oui. De Nio. Oui, d'accord, mais... on dessine. FDJ, ouais. C'est la première fois. FDJ sur le stream, oui. Voilà, parce que c'est assez nouveau. Très et puis bien. Qu'en plus, je l'ai fait avec Max Hildan, j'ai fait avec Doug from Paris, qu'on embrasse. Le chat, évidemment, bonjour chez vous. J'espère que vous buvez. Hydratez-vous, Zankyo, qu'on embrasse. Regarde. Le meilleur d'entre nous. Franchement, quel bel homme. Qui nous regarde de là-haut. Merci à vous de vous être inscrits pour le tournoi. Il y a beaucoup de joueurs, 64 joueurs, hein, malgré le tournoi online CPT. Ça, ça c'est fait vrai. Plaisir. On reconnaît c'est les vrai. Vrais. Mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est si tu sens que tu vas pas gagner le autant CPT, pas y aller. Autant venir faire le FDJ, ou c'est quand même meilleur. Tu préfères quoi déjà? Il n'y a pas cette prétention, de savoir mieux jouer. Déjà de se faire switch laguer. Tu préfères gagner quoi, 170 euros sur à 100% ou peut-être 800? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas, tu vois. On est bien. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Ça se passe bien dans le milieu du versus fighting? Ouais, ça va, on est bien. On vit la vie, on chante la vie. On chante la vie, on danse la vie. Hier, gros tournoi, je rappelle, c'était la finale du tournoi E-League aux États-Unis, grand tournoi invitationnel de Street Fighter V, avec le grand vainqueur, la légende vivante, Tokido, le japonais, qui a gagné quand même 150 000 boules, il s'est fait plaisir. Ah, bah, c'est un frère. Ouais, bien sûr. C'est un frère. À la maison, donc à chaque fois, il est dans l'équipe, il a recruté. Il t'a reversé un petit dividende. Ouais, bien sûr. Une table dans le dos. C'est parti. Merci, Gouac. Il est vrai. Donc bravo à Tokido qui remporte un des plus gros tournois de l'année, 150 000 dollars. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, 64 joueurs, je l'ai dit, pour ce tournoi online versus fighting sur Street Fighter V. On va afficher l'arbre, on va pas perdre de temps, affichons l'arbre des maintenant, on soit égal. Alors, est-ce qu'il y a du tueur? Est-ce qu'il y a du tueur? Qui c'est qu'on connaît, mon karaté? Alors, Bridouche, j'ai déjà entendu ce blase. Eh ben, Bridouche, le premier qu'on a fait avec Max Hildan, joueur de Dalsim, attention, il fait mal. Mm-hmm. Il fait très mal. Mais attendez les gars, là, tout a été joué déjà? Non, là on en est au quart, ah ouais. Me semble, si je regarde bien. Ah, on est au quart, d'accord. Bon, il y a quand même des matchs. Amaterasu, bien sûr. Amaterasu, le classique. Ouais, il est un masque, il est là, il est vivant. Il est vivant de chez nous. Oh là là, incroyable. Il est vivant de chez nous. C'est quoi, Pachan? Ouais. Pachan, ok. Balayette qui nous a quittés. Le meilleur d'entre nous. Balayette, ça va, Igam. Tu t'appelles Balayette, tu fais que des trucs. Amaterasu qui a participé au premier FDJ Street Fighter, qui a fait finale, qui a perdu contre eux, je crois, c'est Kizu, je crois. Il a perdu contre Kizu. Le joueur de Karine, c'est qui? Ah, voilà, Kizu. C'est Kizu. Ah, bah c'est lui. Le jeune, mais là, non. Le jeune de, je sais pas, il avait la très jeune, je l'ai vu en ciné-session. Oh, il m'a impressionné. Je sais pas, il doit avoir 15-16 ans. Mais non. Ah ouais, il est fort. Il est fort. Franchement, bah, il a battu Amaterasu. Ouais, franchement, c'était impressionnant. Ça fait partie de la jeunesse, hein, c'est la relève. Bah, alors la relève nous, de la France. Nous, c'est fini. Voilà. C'est fini, hein, c'est le Kylian Mbappé de Street Fighter V. Du coup, on va commencer par quoi? Un petit 1000 M masque. Pas de chan, hein. Je propose qu'on fasse ça pour enchaîner tout de suite avec les quarts derrière. Donc, je vais inviter créer salon de combat. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu le connais, Milan Masque? Milan Masque, bon, il est venu à la maison pas plus tard qu'hier. C'est vrai? Sa femme avait fait un gâteau. Elle fait un gâteau, on s'est délécoté. On s'est délécoté. Ah. Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir aussi.
Parce qu'on vous voit beaucoup à la télé. Pourtant, vous. la téloche. Le mouvement de télé, tu connais ce truc. Alors, apparemment, mon micro est pas fort. Ah, mais ça y est, tout de suite, on veut le faire taire. On veut le faire taire, c'est pas possible, ça. Oh. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Ben, ça, c'est le classique. Tu vois, on vous donne ça, ils prennent ça. Et ben voilà, ça m'arrête. Le match a déjà été joué, donc on passe au quart. Au quart de finale. Bah écoute, on passe au quart de finale. J'ai bien fait là, ok, créer salon. Premier à deux. Bah écoute, remets-moi le bracket. On embrasse la régie. Hein. Régie incroyable de 50 personnes. Les meilleurs d'entre nous. Menro, hein, Romain Menro, évidemment, le talent de l'Ostream. Attends, c'est tout en haut le bracket douche, ouais. Le bride. Ouais, le bride. Salut le bride. On commence avec Bryduch. L'homme d'Alcim, hein, un d'Alcim du feu de Dieu. Hein. Je sais pas si tu avais vu ça, mais. Oh, je connais pas. Bah, nous, on l'a vu jouer avec Max Hildan. Impressionnant. Oh, c'était impressionnant. C'était absolument fou. Hein. Et contre Mon Dieu. WNH, donc la fameuse team. La meilleure. Mugi 4 PS4. Mugi. Ouais, alors, c'est son pseudo, ça. Merci, les gars. Ça fait plaisir. WNH. Slash. Hey, je voulais dire, tu sais qu'on a eu un bug la dernière fois avec le costume de Karine. T'es au courant de ce truc? Ah ouais. Pff, costume de Karine, on voyait que le, on voyait en fait pas le perso invisible, on voyait que le bas, comme c'était une scie. C'est la scie de Mario World. Ah ouais. Impossible, horrible. C'était vraiment dégueulasse. Ah, la folaille. Bah peut-être qu'on reverra. Apparemment c'est un bug avec le costume de. Ah. De Karine. Et rebonjour au chat, hein, les meilleurs d'entre nous, évidemment, toujours là, toujours présents. Ils ne m'entendent pas. Même si ils ne me voient, mais ne m'entendent pas. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Bridouche. Bridouche, il est là, au taquet. Bridouche au taquet. C'est parti. Et tu l'as invité. Gros tournoi. J'ai invité. On rappelle pour l'actu versus, week-end prochain, attention, je suis à Birmingham. Ah ouais ? Birmingham, master de Tekken et master de Street Fighter 5. Tu entraîné ? Ça commence. Oh, le soir, je m'entraîne, je commence à être chaud. Okay. Il est arrivé, Bridouche. Sous menu, j'ai vu que je pouvais mettre en bas, Mugi. Au bout de la file d'attente. Voilà. Mugi voilà. De la jungle. Mugi, voilà. Ouah, c'est du diamant et du super. Ah non, Bridouche, c'était le Nash. Voilà, ah, c'était ça. Nash. C'était le Nash. Bah non. Bah oui. Le Dalcip, c'est Yoga Patate. Non. C'est celui-là que t'envoies en. C'est moi, comme un Pokémon. Non, c'était qui le Datsim que j'ai eu? Oh, je ne sais plus que c'était. Je ne sais plus, il y a tellement de grands joueurs. En tout cas, c'était fou. Hein, c'était fou. Et on a une Ménate, là. Boulavant 2, tantôt. Il joue comme un. Il joue... T'as un Blanca en plus. Ah oui, il y a un Blanca. Bah, Verdoyant, je ne sais pas s'il a fait quoi. En ce moment, je vois qu'il pose beaucoup de vidéos sur Blanca. Il pose tout le temps des vidéos, Verdoyant. Il dort sur le jeu. Ménate. Ah, Ménate. Ouais, Ménate contre Nash. Ménate, c'est God tier. Hein. Ménache. Et donc, c'est quoi le versus? Moi, 4,5, 7,2. Ménate, c'est pété. Hein. Franchement, Ménate, c'est pété. Ouais. Ménate, c'est pété. Mais... C'est dur à jouer. C'est les combos de 2 heures. C'est pas évident. Ouais, ouais. Mais Luffy devrait jouer Ménate. Ah, le combat, c'est parti. Il est pas dans le domaine. Voilà, Voilà, directement. Pour l'instant, il est la bride. Il est la bride. Mais tu vois, il a un bon Nash. Hein. Hop, pas d'entière. Pas d'entière, tu fais rien. On s'en fout. C'est la misère. À l'atterrissage. Super diamant contre Activation. Diamant. Activation. Boulette. Ça c'est pété. Ouais, devant. Tu joues un peu, Ménate. Drill. Oh oui. Devant, derrière. Oh non, Ménate. Oh. Moi je voulais la jouer en plus, mais moi, j'ai vu qu'il fallait connaître les boutons. Ah, c'est trop. Moi aussi. c'est pas évident. Même à la manette, c'est chiant. Même à la manette, c'est super chiant. Le Sonic Boom, c'est bien joué. C'est un perso qui est compliqué parce que en fait, il faut que tu zones bien. Mais sa mécanique de compact est vraiment pas ouf, je trouve. Bah, à part si tu rentres le combo de 50 hits là, le fameux combo avec toutes les boules et tout, c'est super chaud. C'est vraiment pour remonter le V-trigger et. Ouais, mais tu tiens tellement à distance, franchement. Ouais, c'est voilà monstrueux. Ça, si tu fais le meilleur zone, t'es invincible, il se passe rien. Il se passe mais une rien. Une fois que t'es mené, c'est galère. C'est chaud, hein. c'est chaud. Et les ouvertures de garde, une fois que t'as compris le casse-garde et tout, c'est pas dingue de dingue. Il y a trop de joueurs qui jouent, il y a Justin Wong. Il y a Infiltration qui a gagné ses PT avec, franchement, moi je sais pas. Elle donne envie en tout cas, je la trouve assez cool à regarder, cool à jouer. C'est vrai être le perso de... Bah ouais, à chaque fois je lui dis, il a testé, mais il me dit, je sais pas, il aime pas trop. Il peut pas avec ses doigts, sa config. Sa config bizarre. Config chelou. Ouais, il joue avec les gros, ici, les petits en haut. Ouais, et du coup, bah maintenant, il faut revoir toute sa config. Il faut revoir toute sa config. Ah là là. Il peut pas changer, c'est pas possible ça.
Ouais, il s'est pas habitué. Oh là là, à bientôt le stun. Magnifique. Oh, oh, c'est beau. Ça tue... prend même pas le risque de stun. Il s'en fout. Ça tue ça? Non, ouais, mais ça stun pas. Ça stun pas. Allez. Par contre, après, un petit relevé pif, s'il te plaît. Ah, oh non, là non. Non, il a senti le relevé pif. Et l'entière. Je t'ai dit, mon Bridouche, hein, vrai. Ah, Bridouche, ouais, il est carré. Bridouche, et pourtant, Nash, on dit Nash, c'est fini et tout. Franchement, c'est toujours là. Non, mais il est carré, ce Bridouche. Bonne entière. On avait vu Bonchan qui avait fait finale d'un Capcom Pro Tour contre Luffy. C'était lequel? C'était à Bruxelles. C'était Bruxelles. C'est le tournoi où Luffy gagne contre Bonchan en finale. Ouais, c'était il y a un mois et du coup. Ouais, c'est facile. Facile. Et tu facile. Vois, c'est pas facile ça, déconnexion du serveur. Voilà. Ah, Bridouche, il est joué en 1. Bridouche, il s'est dit, je joue en 1, il s'est rien passé. C'est nous ou c'est lui? Je sais pas. Faut les rappeler. Hein faut, qu'est-ce qui s'est passé? Et rappeler les asticots. Ah non, on a une déconnexion, on n'est plus sur Internet. Bienvenue, ah oui. Bienvenue sur le stream FDJ Open Series. Ah oui, plus sur Internet complètement. On veut nous spolier, les gars. On veut nous couper, bah non. C'est magouillé, compagnie. C'est magouillé, c'est la téloche, les gars. Bah non, on sera là. Non, je pense qu'ils ont continué à jouer. Bon, écoute, on va laisser continuer à jouer, on va voir le score après. Et je rappelle, ceux qui ne connaissent pas, évidemment, honte à vous, monsieur Karaté, avec moi sur le stream. C'est toi, monsieur Karaté. Bah, je peux l'être. Tu peux l'aider? Ça me dérange pas. Ouais, c'est génial. Bah, t'es génial, ça va. C'est parti. La légende. La le meilleur. Salut, karaté. On embrasse. Alors, je me suis reconnecté sur le net. Il y a une petite coupure. Ça marche mieux avec Internet. Je sais pas pourquoi il y a une couille. Pff, c'est pas possible. Street Fighter, il y a tout le temps des fois des problèmes. Qu'est-ce que. Ne dénigrons pas le produit. Le produit pour sauver sa face. Tu peux me dire, tonton, s'ils ont. Enfin, oui. L'autre tonton. Oui. L'autre tonton. S'ils ont fini le match oui. ou pas? Oui. Est-ce qu'ils ont fini le match? Ils vont me. Ah, ils me demandent ça tout de suite. Je vais quand même les inviter parce que si ça se trouve, ils ont eu le temps de faire un match et je vais les inviter. Je pense qu'ils ont fait un match. Ils auraient enchaîné sans nous. Je pense, tu crois? Je sais pas. Je vais inviter. Bridouche, c'est facile. Bridouche, c'est facile, je m'en souviens, il n'y a pas d'histoire. Voilà, Bridouche, on invite, on est bien. Hop, invité dans le salon. Et j'avais dit tout. Bridouche qui a fait un très bon FDJ Open Series. Celui que j'ai fait avec Max. Max, ah ouais Max qu'on embrasse. Max Hidlan qui apprend bien. Qui avait gagné alors bah c'est. Ils ont fait. Ah bah voilà, je les invite. Voilà. C'est Killzyu. Killzyu. Il a fait un comeback contre Zera. À Materazu, un comeback, mais laisse tomber. Ah, Zera, il est pas là. Il y avait Nastinas et tout. Hein. Il y avait du level. Hein. Zera, il doit faire le CPT en ligne. Bah non, mais Zera, c'est à Materazu. Ah bon? Bah oui. Ah si, il a changé de nom. Bah il a ça. Il a deux noms. Ah, il a deux noms. C'est lui, je crois. Ouais. L'autre, par contre, tu peux me remettre. Je crois qu'en fait, tu peux faire les deux aujourd'hui. Ça se chevauche pas trop. Bah en fait, ça commence dès tôt le matin, 10-11h. Donc à mon avis, tous ceux qui sont morts d'ici là, ils sont inscrits. La finale, c'est quoi? C'est à 18h. Ouais, non, 20h, je crois. C'est à 20h la finale. Bon, tu dois être mort. Il y en a, ils ont dû être morts d'ici là, tu vois. Ah si, tu penses que si Zera est là, c'est qu'il est mort. Je pense que si Zera est là, on va pas se mentir. Ou alors il s'est dit. On OS. Ça se trouve, il est un coup de l'autre côté. Il a deux cons. Ça se trouve, il joue la finale du CPT. Mugi 4 PS4. Le fameux. Tout simplement. Et bon, c'est maintenant le top 8. Ah, bah voilà. Ah, bah ouais, donc c'est tôt. Ouais, top 8, je te dis. Donc, on a dit ceux qui sont morts avant, ils sont venus s'inscrire. Les mecs, c'est un petit peu le cimetière des éléphants. Quoi, si vous pouvez dire, ça est bon, les gars. C'est les losers. On a dû prendre un peu d'oseille, on a perdu. Mais CPT Online, moi j'en ai fait deux à chaque fois, j'en ai des mauvais souvenirs. Des mecs à qui tu mets 10-0, t'arrives contre eux, ils switch lag, ils ont une barre, et tu vois, ils disent non, on prévient pas l'arbitre, on doit jouer comme ça et tout. Et ils t'enfilent, moi ça m'en fout. CPT Online, ça m'en fout. Ouais, j'ai le droit de gueuler. Tu l'as fait, c'est vrai. Moi je l'ai fait qu'une fois. C'était la fois de trop. C'était la fois de trop, je peux te le dire. Alors que FDJ, ça marche tout le temps. Bon, là, il y a les décos, mais sinon ça marche tout le temps. 1-0 pour Bridouche, alors, si je ne m'amuse, c'est ça. 1-0 pour Bridouche. C'est bien. Et je remercie encore le chat d'être là en ce samedi ensoleillé. J'espère que vous couvrez bien, vous buvez, hein, parce que il fait chaud. Il faut s'hydrater. C'est important, buvez, mangez équilibré. 5 fruits et légumes, non pas en même temps. Faites-vous plaisir. Et monsieur Karaté est avec moi pour ceux qui ne connaissent pas. Prince connaisseur ultime du Versus Fighting, parce que je rappelle FDJ Open Series. Moi, j'insiste pas. Moi, je suis pas du genre. C'est beaucoup de responsabilité. Je suis pas du genre à insister. Je suis pas du genre à en faire trop. Hein. Tu me connais. La légende. Là. Mena. Ménat. Ménat. Tu sais qu'il y a deux persos qui me tentent à Street. Je suis en train de bosser deux persos entre parenthèses. Ménat et je suis en train de bosser Mika. Mika. Ouais.
Mais pourquoi tu dis Kaïs? J'aime bien, je trouve. Je sais pas. Ça me fait penser à Diddy Kong. Alors que boxeur. Alors tu dois jouer boxeur. Vu, il a fait un bordel. Oh, il a fait un bordel, c'était sale. Hein. C'était sale, c'était à sale. La Ligue, bien sûr qu'il y a eu lieu hier. ATL, grand tournoi, voilà, 150 000 $. Enchaîne, mais Bridou, je te dis, c'est un vrai gars, je te il dis. Il lâche rien. Anti-air, voilà, enfin, c'est bien. Il est stylé ce costume. Hey. Oh, il rate les combos. C'est casse-garde, c'est pas possible. Allez, le stun. Ah là là, il a pas eu le stun, tu vois. Et là, t'as pas eu le stun et ouais, du coup, t'as galère et tu prends. Ah là là, ça punit ça. Il a raté la punition. Pourquoi ça punit pas ça? Par contre, si tu joues Ménat et t'es pas carré sur le combo, ça va pas le faire. C'est quoi, c'est un ballon? Là, ouais, ouais, c'est ça. C'est oh le... non, le vent puni! Oh non, il punira jamais. C'est l'OS ça. Coupe du Monde. Hey. Oh là, voilà. Là, là, là là! Attention, oh, Bridouche, il en a. Ah, il balance, Bridouche, c'est track and field. Ouais. Ah, ouais, c'est fini, track and field. C'est le dé à coude sur la manette. C'est quoi? C'est le t-shirt. Ah oui! Ah bah, tu l'as. Bon, c'est pas grave, mais c'est bon. J'ai compris qu'on voulait me saturer. C'est parti, oh là là, balle de match pour Bridouche, encore une fois. Oh, il joue bien, il joue vraiment bien Bridouche avec ce Nash. Ah, il a ses petits setups, t'as vu sur la Ah, mais il a tout bossé, je te dis, il a tout bossé. Il est là, hein. Bah, il est quand même super diamant, donc bon, c'est pas de la merde. Mmh. Hey, c'est bien joué, voilà. Il doit jouer Nash depuis le 1. Depuis le 1, il connaît, ça fait 3 saisons qu'il est dessus. Ouais, c'est ça, il est réglé. Il est réglé comme une horloge, c'est bien joué. Ah, oh, oui, ça revient. Allez. Counter. Ah, mais combo, il fait pas les combos, il fait pas les combos. Ouais, il y a le truc là qui passe en combo. Moogie de la jungle. Ah, oh, le casse-garde qui passe pas, il trouve un reset mais il arrondit pas les fins de mois. Non. Et le Nash qui fuit, il attend que le V-Trigger soit fini. Il a son V-Trigger, voilà, à sa barre. Bon. Il a son V-Trigger à sa barre, un combo et c'est presque la fin. Oh là hey, là hop. Safe-isé. Allez. Punition. Comme Baku, c'est bien joué cette petite balayette. Oh, là oh là, c'est quoi l'envolée, c'est la chope. C'est l'envolée, ouais, c'est la chope. C'est la chope, R. Ah, tu vois, et derrière, il met pas lui. Mais lui voilà. Et oh là là, c'est custo. Enfin, oh, ce petit tortillage. Ça tortille du coupion. Et le 1 partout. Voilà, ça c'est bien. Les amateurs de VRS régal. Putain, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et sportive, voilà, GRS. C'est ça. T'en faisais? Bien sûr, j'ai du cerceau. Et un peu de ruban, mais j'ai lâché à la fin. Et Aquapolo. Le ruban, c'est avoir ah oui, le truc. C'est, ouais. C'est craqué le ruban. C'est pété. Allez, c'est bien joué, ça. Anti-air, voilà, là il est anti-air. Il a toute sa barre Bridouche, bientôt son trigger. Il faut tenir à distance. Voilà, l'attaque pas. Mais il a le Sonic Boom, un Nash, donc il peut gratter à Stance D, à distance. À Stance D. Ouais, oh, le universal téléport. Ah, ça c'est bien fait, ça. Oh là wow. La dive qui est arrêtée par le bas moyen. Ah, oh, tu punis ça, tu punis, il y a mieux que ça. Ouais, voilà, entière, voilà, là il commence à zoner, c'est comme bon. Il faut. Oh, le dive qui est pas passé dans la garde. Oh, c'est voilà, bien joué ça. Crush Cutter, mais t'as vu, il peut se reculer quand même. Allez, oh. C'est bien joué. Oh, ah, attention. Attention. Entière. Oula, ça va se jouer à rien. Ça se joue à rien. Le comeback de Woogie. Comeback de Moogie. Super. Comeback de Moogie. Super. Il tente de la mettre. Allez, c'est le comeback, c'est maintenant. Balance. Le comeback, ah, là, c'est là, balance. Super, là, il y a un trou. Balance tout. Oh là 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 là. Les yeux fermés, je te dis. Maintenant. Non, il a jamais balancé. Tu vois, quand il a fait le spin, tu sais qu'il avait tapé derrière. Ouais, il y a un trou entre les deux. Ouais. Et ben là, tu pouvais mettre super si mal. Parce que tu sais que le mec, il allait balancer derrière. Tu fais ça, quart de cercle là. Tu bourres le quart de cercle et voilà. Non, mais pendant l'anime, il y a un trou. Ah, entre les deux, voilà, tu veux dire. Entre les deux, il y a un trou. Il avait juste à mouliner le relais. Ah, donc c'est garanti. Bah oui. Ah, je savais pas. Eh bah oui, bah il a pas voulu. Il voulait pas gagner. Il en voulait pas. Il veut pas. GG à Bridouche. Bridouche, c'est mon gars sûr, hein, franchement, bravo. Tu vas assurer comme la dernière fois, je le sang. Et désolé à Moogie de la jungle, hein, t'as été bon quand même. Bon, je sais pas, voilà. Moogie, voilà. Moogie, voilà, le meilleur, mais dommage. Et Bridouche qui avance. On regarde l'arbre, mon petit tonton. Qu'est-ce qu'on a de l'arbre. Beau avec nous? Alors, Bridouche, Moogie, bah voilà, on a vu. Il y a hein. Kraven. Kraven, Gustave Kraven. Sous le bison, sous le soleil. sous les pavés. Et ensuite, on aura Materatsu. Alpha Banana, le meilleur. Et Pachan. Pachan contre Kizu du très loin. Tu vas voir comment il joue, c'est sale. Hein. Bon, on va commencer par le premier match. On remonte un peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a donc. Kraven sous le bison. Kraven sous le bison. Alors j'invite. Sous l'océan du plaisir. Sous l'océan des tropiques. Ah non, c'est pas ça. C'est qui ça? Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Vas-y, c'est ça! Le oiseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Voilà. Sous l'océan. Sous le bison. Oh, quelle voix d'ange. Ouais, je sais. Bon, c'est un de mes nombreux talents. Hein. T'es comédien, non?
À l'occasion, artiste de rue. D'où l'artiste de rue. Artiste avec la pièce. Une petite pièce, mon bras, c'est avec ça. Le chapeau. C'est mime aussi. Un petit peu. HB Craven GG. HB Craven GG. Oh les mecs. GG, HB Craven. On sent que ça se finit au cyanure. Hein. Putain, avec ces pseudos pareils. HB Craven GG tout attaché. Non, Craven slash GG. Underscore. GG. Underscore. Ça va trouver. Gigi, oui, Lamoroso. C'est bon. Hey, voilà. Et je réinvite l'autre, c'est sous le bison. Ah, c'est parti. Sous l'underscore, sous... tiré du 8. Tiré du 8. Tiré du 8. On embrasse. Bison. 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 C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon, c'est le bon tabac. Je tiens à souhaiter la bienvenue à, évidemment, à tous ceux qu'on connaît les meilleurs, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas le Versus Fighting, parce qu'il y en a. Et c'est aussi, on est là aussi sur le stream pour initier ceux qui ne connaissent pas. J'espère que vous kiffez bien et que, que ça donne envie de vous y mettre parce que c'est du fun, même s'il y a des grands joueurs. Voilà, faut bien traîner un jour. Et c'est l'e-sport. C'est l'e-sport, c'est du 1 contre 1. Il n'y a pas d'histoire d'équipe, les gars, machin. Fortnite, Steve, machin. Là, on a sa manette, on est tout seul et on y va. Et c'est fini. Et on rentre chez soi. Mais au moins, on y allait. Non, il faut tester. Franchement, on est n'ayez pas peur. Oh, un birdie. Non, elle, c'est pour moi. Il va pas jouer à birdie sous mes yeux. Je suis obligé de prendre la manette. Sous nos yeux. T'as été birdie avant moi. J'ai été birdie avant toi. Quelques frames avant toi. Je l'ai même tué en tournoi. Tu m'avais tué en tournoi. Ah oui. Ah, le truc de Cannes. Oui, il est tournoi dans le bar là. Ah oui. Ah, c'était le premier tournoi. Ouais, mec, J'accepte. Wikipédia. C'est dedans. C'est, j'avoue, ta page a été upgradée. Voilà. Mis à jour. Bon, après, je te laisse aller chez parce je te laisse aller faire les tournois, mais. Bien sûr, j'ai plus le temps. C'est grâce à toi que j'ai battu Infiltration. Bah, tu ne me touches pas. Tu la vois. Ça va partir tout de suite. Par contre, je veux bien qu'on rigole. Mais on est sur le stream, on va pas déconner. Tu me touches pas. Tu touches pas l'élastique est tendu. Voilà. Ça peut tomber. Là, putain, il est bon. Il est bon, je vous dis, les gars. C'est pas ce que vous avez en face de vous. Moi, je sais. Ouais, blancable. Mais j'en vois pas beaucoup. Tu vois, on parlait la dernière fois de Tekken, on se dit qu'il y avait de plus en plus de guise. Et Blanca, j'en vois pas encore beaucoup en tournoi là. Ça a l'air de. C'est encore trop récent. Waouh, on a un rang master. Master sous bison et on a un quoi super ultra diamant chez Birdie, ça me fait plaisir. Birdie mon perso de tournoi évidemment. Birdie ça va hein, contre bison. Franchement Birdie contre bison ça va, c'est pas ça tout le temps évident d'ailleurs. Évident. Hey, alors là c'est l'infini. Ah. Là tu bois à l'infini. Dédicace à Problem X hein, qui a fait quand même 4ème hier notre joueur anglais, meilleur joueur européen. Nous a fait rêver. Il a tenté. Bon, par contre ce qui est chiant, tu te fais presser à l'infini, t'as pas de. Ouais, à part le zonk, t'as pas de. Oh là là, il se fait complètement rouler dessus. Il dort Craven. Il faut alors la technique. Ah, il saute comme ça, nature. Technique, si vous jouez bison, vous maintenez l'ex, hein, le zonk ex, et ça à la relevée, c'est complètement craqué contre. Ah, c'est bon. Hey, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Là, tu maintiens le petit zonk. Et un petit zonk là, tu vois, Matt, faut balancer. Il veut pas, il veut pas. Il veut pas, il veut pas nous faire plaisir. Ah, voilà, mais là, il le fait évidemment sur le plus mauvais coup. Double hit. Ça. Donc, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ah, ça a l'air dur, hein. Ça a l'air dur. Craven, je sais pas, je le sens pas. Gustave Craven. Oh, dash avant gros pied. Il s'en fout. C'est des choses qu'on veut plus voir en 2018. On a un nouveau président. Faut quand même changer, les gars. C'est pas possible. Ouais, c'est bien joué, il n'y a pas d'anti-hier. Bison qui est. C'est fort, mais c'est quand même dur, je trouve, de jouer Bison. Oh, il a fait une banane comme ça. Il s'en fout et il attend devant. Craven, faut qu'il serait. Voilà, anti-hier. Là, chop-sp. Allez, un petit dolphin. Un sauvé Willy. Oh, un petit sauvé Willy là. C'est maintenant ou jamais. Un sauvé Willy maintenant. Voilà, si c'est bon. Active à ça. Voilà, le coup de tête. Hey. Là, bien. Tu fais dash donc. Il fait encore mieux. La bombe. Oh là là. Le comeback. Allez, un sauvé Willy. Un génie. Oh, la canette. Le mix derrière. Oh, il a renvoyé la canette. Oh, c'est bien joué ça. Oh, là, là. Allez, soit MP. Ah oh, oui, c'est passé. Oh, c'est joli. Oh, magnifique. Ça, j'aime bien. Il a pris un counter parce que ça a fait combo. Ouais, Mitty. Du coup, Mitty, un counter, t'as le MP derrière. Oh, ça fait plaisir. Ouais. Ah, il fait plaisir le birdie. Oh, ça rend ça. Un petit dolphin là, maintenant. On va peut-être en voir un. Okay, ouais, ça, c'est que toi qui balance. Mais j'aime bien les dolphins, les gars. Ouais, j'ai démocratisé. Et fait en reversal. Il rate le finish bison. Ouais. C'est prudent, il ose plus taper. Voilà. Merci, un sauvé Willy. Ça fait plaisir. Le bas MK, c'est bien joué derrière. Ah. Oh, le crush counter. Hey. Attention à la relève, ça va faire mal. Il va lâcher un ex, ce Craven, je le sais. Je le sens. Oh, ex maintenant. Boule, hein. Ex maintenant. Oh, attention, la bête, elle est plus pétée comme avant. Faut faire attention. Ex maintenant. Voilà, ex. Il a pas sa barre de trigger. Oui. Il veut. Oh, il fait un MP dans le vent. Situation.
Activation, activation. La canette. Ah, il est passé au-dessus, bien joué. Ex, encore une fois. Il aurait dû faire Ex. Voilà. Et... attention, il est en trigger, il va beaucoup plus vite, il fait beaucoup plus mal pour ceux qui ne connaissent pas. Oh oui, c'est bien joué. Le réflexe. Allez, lâche-toi, ça tue pas. Bam. Overhead. Ah, la vie. C'est bien joué. C'est bien joué. Enfin, il a pris des risques et ça a payé. Ça a payé. Il est parti embrouillé quand même. Hein. Ça joue pas très vite, mais à la fin, il a trop vu la chope sous le bison, du coup, il a shoté. Il est timoré. Il est Julien timoré. C'est vrai que son rythme est un peu bizarre. C'est un peu lent le match, mais bon. Rien ne sert de courir, il faut choper Atan. Bien joué, il me fait plaisir, Kraven évidemment, impartial, mais je suis quand même pour Birdie. Ah, ça a pas planté, il est toujours là. Oh, bon HP, c'est bien joué, ça c'est un armor, hein. Ça passe à travers les coups. Il a fait un réflexe, donc c'est bien joué. Ce coup de rap, c'est fort. La peur, Online, online c'est invincible. On est d'accord. Tu peux rien faire. Hein. Bien joué le HP, le petit light dans le coup. Hey. Oh, il a raté le combo. Il le strike à la... spécial. Ça stun. Allez, le combo. 1, 2, 3, et chaîne. Il fait même pas chaîne, il aurait tué. C'est bien. Chaîne, ça a tué. Chaîne X. Ah ouais, mais c'est toi ça qui aime bien la chaîne X. Oh, mais en combo. En combo, ça fait mal. Là, il commence par chaîne X, tu vois. Tout de suite, non. Allez, Dolphin. Les deux, ils ont balancé un X au même moment. C'est bien joué. Et les deux sont possédés. Ça joue bien. Rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, Birdie, c'est un perso à shot spé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pas déchoper. Voilà. Vous êtes obligé d'anticiper et de sauter. C'est bien joué derrière. Il tape à la relevée. Attention, le combo qui rentre. Bah, Lex. C'est bien joué, ça, Lex, tout de suite. Le V-trigger, le V-reversal. Ça fait plaisir. Attention, il est solide du coup. Il se prend le crush counter. Attention, il va faire X. Je sais qu'il va faire un moment X. Il a son ex V-trigger, bridouche, toujours là, dans la mémoire collective. Ex derrière, il balance son V. Relâche son V. Il s'est fait choper. C'est bien joué, c'est relâche. Bien joué. Voilà. Oh là là. C'est bon. Oh non, il a pas fini. Ouais, mais il a voulu. Le comeback, vas-y, le comeback. Le comeback. S'il avait fait une chope dedans. Relâchez. Relâché. Là, c'est bon. Le double relâché. Il a sauté à la relevée, il a mal timé son coup sur la relevée. Tu faisais double relâché, c'était bon. Et la savonnette. La savonnette est bisogne. Balle d'égalisation pour Soul Bison, le grand. Anti-air derrière, c'est bien joué. Il s'attendait à une chope, du coup, il s'est pris le HK. Déjà, la barre de vie, qui a fusé. Anti-air, c'est bien joué ça. Allez. Hey. Mix derrière. Setup. Mais non, c'est pas bon, faut pas faire ça. Bah, c'est mind game, il a fait plusieurs fois shop space sur la relevée. Non, mais il fallait faire un petit balayette comme ça, tu peux continuer derrière le pressing. Oh là là, pourquoi tu te prends ça? Attention. Attention, un petit dauphine, c'est fini. Ouais, moi je l'ai dit. Le génie. Bah oui, on communique, il a l'oreillette. Mais que c'est appuyé sur le bouton. Je t'ai dit, c'est toi qui. C'est moi, non, rien, c'est le mec. Travaillifique. Je lui ai dit un dolphin et c'est fini, c'est valable chez vous. Ah, il fait plaisir ce bon. Ah, je pense qu'il va nous divertir. Il va nous divertir. Le sauver Willy. Le meilleur coup de l'histoire. Quel perso, hein. Quel perso, Birdie. On a beau dire, on se marre. Bah, mais la bedaine. La bedaine. Elle est là, les gars. Toi, t'as de la chance. Bosse, mais. Ouais, t'arrives pas, je sais. Je suis loin. C'est pas évident. C'est pas un talent. C'est un talent, c'est du boulot. Et bravo à Kraven qui se qualifie, qui bat sous le bison. Alors, c'était mal parti quand même. Il dégage un rang maître. Ce qui est pas mal. Et il va rejoindre Bridouche en demi. Ça va être bon. En plus, Nash Birdie, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident pour. Il va falloir relâcher au bon moment. Il y a du ex. Il y a du Dolphin et du ex. On l'a dit, Dolphin, chez vous. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a grand joueur français, Amaterasu, le joueur qui joue Gouki, un joueur du champion du monde Tokido, évidemment. Alpha Banana. Alpha, je sais pas qui joue. Tu connais? Il doit jouer Birdie, peut-être. La banane. Je sais pas. Alpha Canette, je t'aurais dit Birdie aussi. Hein. Je sais pas. Bon, attends, je vais l'inviter. Tout se passe bien? Je sais pas. T'as de la pression? Je sais pas. T'as une petite pression. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Tu viens à l'Evo, là? À l'Evo, je ne sais pas. On rappelle l'Evo, le plus gros tournoi de jeux de combat au monde, chaque année à Vegas, au monde et au Japon. Ouais, c'est. T'es avec nous là. Mais à Vegas, ils ont déplacé la date en août. Bah oui. En août, les tarots des billets. Ça pique. Tout, ça picote. Ça picote. T'as pas pris en avance? Normalement, on prend toujours en avance. On a fait 40 heures de voyage la dernière fois. Oui. Pour pas payer. Oui, c'est vrai que si tu passes. Par la Russie et Guantanamo. Tu payes moins cher, mais bon, tu mets 40 heures de vol. J'avoue, on avait payé 40 heures, on avait fait. On était passé par 4 pays. C'était. Oui. C'était une aventure humaine. Ah, j'ai encore les genoux qui piquent. C'est une aventure humaine. Mais bon. Donc, t'as pas les billets?
Mais si je gagne, qui va voir? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je suis bien parti. Mais tu gagneras Tekken, bien évidemment. Ah, je peux faire les deux. Hein. Ah ouais, Tekken, c'est sûr. Tekken, après, Street, top 8, d'accord, mais après, on verra. Ouais, on verra. Non, Tekken, je t'avais dit, hein, tu sais que si je gagne les Vosges, je dis guac.fr. Ah oui. J'ai plus mis les gommes, je me retire. Je me retire de... le maillot. Là, tu le retournes et en dessous, il y a quac derrière. Comme Roby avait fait, pour ceux qui ont suivi cet événement Gotaga. Roby qui, en plein stream, a dit « bah veux-tu me recruter ?» Alors que Roby est sous contrat. Je le rappelle, ah oui, il est aujourd'hui en prison. Alpha, alors Alpha Banana. Alpha Banana. Un rappel, hein, merci à toutes et à tous d'être avec nous sur le stream FDJ Open Series, nouvelle journée, du Versus Fighting avec Street Fighter V. Monsieur Karaté est avec moi. C'était, c'est lui. On a l'occasion de devoir jouer Karaté là, tout de suite. Non. Non. Si vous me le demandez maintenant. Non. Mais par la suite. Mais sur ma chaîne, je fais des streaming vidéo sur Twitch. En réel. On te voit jouer en réel. On me voit jouer, on me voit rager, on me voit perdre souvent. On me voit tout casser. Plus perdre, plus rager. Je vais arrêter, je crois. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Non, mais oui, je joue. Il joue, évidemment. Il Twitch, un Twitcher, les gars. Non, DevsNut a son propre sponsor. C'est vrai. Il a gagné le tournoi de la Japan Expo. Ouais. Dave's Not is you, Japan Expo champion. Champ. C'était qui la finale d'ailleurs, si vous pouvez mal. Il jouait contre Meorim, un truc comme ça. Il s'appelait Meorim, il s'appelait le gars. Il y avait de l'argent à gagner? Ouais, il y avait un petit des bisons dollars là. Enfin, tu sais, de l'argent de la Japan Expo pour acheter des lots. Un petit mouton en plus. Ouais, il a gagné un petit. Bah, bravo à DevNote. Hein. C'est sympa. Tonton, c'est quoi le pseudo de Alpha Banana? Parce qu'apparemment, ce n'est pas celui-là. Ah, bah il faut cliquer sur Alpha Banana et tu auras le vrai nom, sûrement. Peux-tu... Normalement, si la France est bien faite. Bah, c'est ça, pourtant. C'est G majuscule qui compte? Non, ça compte pas les majuscules. On demande sur le Discord. Ah, peut-être qu'il a un autre nom dans la vraie vie. Il me semble qu'il s'appelle... John. John Banana. Je sais pas. Non, Rémi. Ce n'est pas le bon. Rémi, mets ton vrai pseudo, Rémi. 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 Rémi Galax. Rémi. Rémi. C'est un prénom, ça, Rémi. Stanislas Rémi. Tu connais Rémi? Moi, j'en connais un. T'en connais un? Je connais un Rémi. Je connais un Rémi, mon Et gars. Et comment il va, alors? Bah, il va bien. Je connais deux, mais un qui est plus de ce monde. C'était, René Mosimur qui jouait Rémi. Dans les musclés. Mais non, René, c'était René. J'ai dit des conneries. C'était René. Bah c'était oui. René, c'est René. René. C'est un peu facile à trouver. Rémi, c'est Rémi. René, c'est René. Mais pas du tout. Parce que... pas du tout. Pas du tout, parce qu'Eric, c'est Eric aussi. Bernard Minet, on l'embrasse d'ailleurs. Bernard, c'est un ami. Hein. Je l'ai vu souvent en salon. C'est WNH Alpha Banana. Ah bah merci. Bye. Ah bah merci, faut que je vide quoi. Merci le chat. Le chat, le meilleur. Il est là, Mentos. Mentos fraîcheur. Et oui, Max, bah non, Rémi Max, Chanson. Rémi Chanson, mais oui, Rémi Louis, Rémi Louis. Non, bah, Maxidan n'est pas là, Maxidan, votre animateur vedette, hein, le meilleur de le stream, Alpha est en Banana. Vacances, mais il reviendra très bientôt. J'ai animé avec lui la première FDJ Open Series, et il se débrouille bien, c'est un bon joueur de Versus, c'est un bon joueur de Dragon Ball, il connaît bien Dragon Ball. Ah ouais. Il joue. Ouais, il joue, franchement, il taffe les Versus. Hein. Il joue qui? Il apprend, bon, je sais pas, les classiques. Hein. Ah, les classicos. Les classiques de ce monde. Les saillants, ils jouent les saillants. Les saillants, les virgines saillants. Ouais, à mon avis, les maîtres. Regarde, Amaterasu, grand maître. Il a le rang maximum. Ah ouais. Il a dosé sur Pi. Zera, ouais, mais Zera, il se bute. Ah, il se bute, laisse tomber. Tu sais que je me suis mis à jouer. Ah non, attends. L'autre, il est quoi? Il est platinum, c'est ça? Il est. Ah, mais ça veut rien dire. Hein. Non, il est rookie. Je crois que c'est rookie. Ouais, rookie. Rookie, bon, ça veut rien dire, ça. Dire que ouais, c'est peut-être un nouveau compte. C'est un nouveau compte. Moi, j'ai commencé à jouer sur PC. Ah non, il est petit, je regarde Menra, moi. Menro, Romain Menro, un ami hein, qui est sur le stream, Menra. Qu'on embrasse. Menrao. Un Brésilien. Ah ouais? Non. Non, mais il aurait pu. Il aurait pu. Moi, je crois tout. Hein, tu me dis, Romain Menro, tu vas aller loin, je te le dis. Ah bon? Je te le dis, tu vas aller loin. Je sais pas, ouais, il se fait faim. Hein. Il se fait faim un peu. Sur le stream, il y avait des boissons. Là, on est le week-end, il n'y a personne dans les locaux. Ah, bah, on est tout seul. Il doit y avoir un moyen d'exercer un peu de tourisme. Un peu tout. Il y a quelques sandwichs cachés. Je pense, hein, les frigos ne demandent qu'à être loutés. C'est ça.
Ouais, il est Platinum, c'est ça. Platinum Alpha Banana contre Amaterasu, un des meilleurs joueurs français. Vous avez l'occasion de voir un des meilleurs joueurs français. 384. Et ouais. Très fort. C'est un des meilleurs Gookies, le meilleur Gookie français et un des meilleurs Gookies européens. Amaterasu, très 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 fort. Zera. L'élève de Piccolo. Hein. L'élève de Piccolo, bah, évidemment, le meilleur. Allez, on peut commencer à jouer. Allez, c'est bien joué. Et déjà, le bientôt. Et le stun, on n'a même pas vu ce qui s'est passé. La boule de feu. Et voilà. C'est la magie de ce perso complètement pété, le meilleur perso du jeu aujourd'hui. Tu penses ? Officiellement. Camille, c'est pas mal. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, ça joue entre Camille, Gookie, Guile. Hein. Ouais, j'aime Camille, Gookie. Hein. Ouais, sans même aller plus loin. Oh, Camille, c'est tellement fumé. J'ai vu Luffy, il a perdu contre deux Camille au CPT, là. Il a perdu contre Hurricane et... Camille s'est pété, rappel à Gookie. Oh, c'est bien joué, ça, derrière. Allez, oh, il a tenté le chimie. Le bail P. C'est bien joué. Oh oui. Dragon, oh, joli, ça. Oh là 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 là. El Fuego, Bruno. Et le pied qui s'embaume. Le pied ici, là, dans le museau. Oh, c'est tellement bien joué, ça. Ken, c'est pas mal dans cette version. Chris Tartarion, il... Bah, c'est un perso risqué, quoi. Ouais. Risqué and reward, tu bourmentes et t'espères que ça passe. Et t'espères que ça rentre, enfin. Mm. Oh, c'est bien joué, ça poke bien. Hey, c'est bien joué, le bas MP, encore une fois, le classique de Gookie. Oh, il l'a pris. Et il inverse les positions pour amener... Et l'autre, il s'en fout. Les yeux dans le... Ça, c'est les yeux dans les bleus. mais regarde toutes ces courses, là. Tu sens que ça joue online. Attends, oui, c'est passé. Oh, c'est bien joué, la boule. Oh, est-ce que tu peux taper dans la course de Ken? Ouais, bah, c'est... En théorie, tu peux, si tu la vois, mais on est online. Donc... Attention, il va falloir l'enlever. Il va falloir l'enlever. Le démon. Ouais. C'était cramé de chez Cramé. De chez Cramas. Trousse de mondo. Pukido. Allez, c'est une petite incantation, là. Ouais. Et il te met le démon. Oh, cette super, elle est imbloquable. Voilà. Imbloquable. Il a annulé des coups dans le vent par cette super où il avance Gookie et il vient, et si t'es devant, il t'attrape. Donc en gros, t'es obligé de sauter pour esquiver. En gros, c'est un mind game, en gros. Tu t'espères que l'autre, il tape ou il bloque. Et... C'est un mind game, mais c'était cramé. Là, par contre, il aurait dû voir que le collègue avait les barres... Les barres bien remplies. C'est ça, et donc peut-être s'y attendre. Mais bon, en tout cas, il a bien joué Amaterasu, hein. Le meilleur Gookie français. C'est bien joué, il confirme ça. Bon, confirme de la part de Banana. Oh, ça se relève en bourrant. Rien à foutre. C'est bien joué, le combo derrière, c'est tellement fort, Gookie. Oh là là. Ce BMP, il est... BMP. C'est le meilleur coup de l'histoire. Ça, et gros point, c'est... Oh, joli, il confirme. BMP, Tatsu. Ah, t'as vu, il était pas là. Ouais, il a transparsé. C'est-à-dire que le coup était pas assez actif. C'est bien. Attention à la relevée Shoryu. Oh là, moi, la phase, je lève la jambe, je te tape derrière. Relevée Shoryu ou pas? Est-ce que tu crois? Allez, bah, je suis. Eh ben voilà, écoutez-moi, les gars, quand je vous parle. Écoutez-moi. Et en plus, ça inverse les positions. Ouais, c'est craqué. Oh là là. Eh, combo. Tac. Shoryu. Et le Bix derrière. Il a pas de barre à la relevée en plus, attention. Oh, là, joli. La petite carotte. Le chimie. Chimie, je rappelle, c'est quand vous avancez et que vous reculez pour laisser whiffer l'adversaire. Voilà, parce que vous faites genre. S'il pense qu'il va être chopé. Pour déchoper, il doit appuyer la manip. Ouais. Et si toi tu recules à ce moment-là, tu n'es plus dans l'attrapement. L'attrapement de la zone. Exactement. Du coup, tu tapes dans le vent. Voilà, et tu déchopes dans le vent et là ton adversaire peut te punir. Qui s'est passé? Oh là là, et c'est la fin. Je pense que ça tue. Hey. Non, ça tue pas. Attention, Shoryu l'a relevé. Qu'est-ce qui se passe? Il le prend. Allez, le comeback japonais. C'est japonais. Allez, la pression. C'est français. C'est rien du tout. C'est rien banana. Du tout, c'est banana. La banane, bravo à Amaterasu, sans surprise, hein, franchement. Il a très bien joué quand même, banana, franchement. Il m'a assez surpris. Le Zera, il est là, il dort sur le jeu en même temps. Ah ouais, il dort sur le jeu. Avec Akainu, il joue tout le temps. Leur CD, il tourne à l'envers dans la console. À plus de 15 milliards de matchs. 1000 milliards. 15 milliards. Et à 2 millions d'heures. 2 millions d'heures. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont là. Allez, mec. En dormant, même. Le jeu il tourne dans l'Ultra Sun, c'est... Et puis, il dort dans le jeu, il dort en jouant, c'est... Bah, en même temps, Akainu, ça paye les pots fruits, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, considéré comme le meilleur français. Ouais, c'est vrai, On va dire Akainu, donc genre de gars. Il a fait un bon parcours, là, au State, là. Ouais, au CEO. Ouais, le CEO. Franchement, il a assuré. Bravo à Amaterasu,
petit à petit, je sais qu'Amaterasu, il a une revanche à prendre parce qu'il est encore là. Ouais, il veut tuer Kizu. Et Kizu, il est encore là, hein, parce faut, que je te jure. Faut-il encore que Kizu batte Pachan ? Pachan ! Pachamama. Non, pas Pachanga, hein, héros du film avec Pacino, l'impasse. Ceux qui ont vu ce film, moment culture, évidemment, parce qu'on parle aussi de Tinoche sur le stream, évidemment. On parle de tout. Alors, qui j'invite ? On a Patochan. Patochan ? Patochan, Patrick. Balle. Patrick Baloukani. Qui va arriver ? Qui est là ? Qui est là ? Salut ! Il nous regarde, hein, Patrick. Il nous regarde, bien sûr, Patrick. Patrick Baloukani. Patrick. Patrick. Le meilleur d'entre nous. Oh, il a un Blanca. Ah oui, Blanca, tu crois ? Oh, ça, c'est un genre, oh, un genre de bison. C'est la dictature. Ouais, dictateur. Dictateur. Ouais, ouais, c'est plus dictateur. Ouais, je le sens bien, dictateur, il est là. Alors, c'est bien joué, Pachan contre Kizu qui m'avait impressionné. Et j'espère, Kizu, si tu m'entends, ne prends pas ce costume dégueulasse. J'ai l'impression de commenter de un, ce costume où ça faisait un bug. Ah ouais. Tu sais, te rappelles. Ouais, moi, j'ai pas vu, du coup, je veux voir. Tu te rappelles Mario World ? Ouais. Tu sais, à un moment, le niveau, t'as les scies. Ouais. Tu sais, les, eh ben, oui, c'était ça. Et eh ben, tu, je commentais une scie. Une si. Une si. Je commentais une si de Mario World. Si, maman, si. Si, maman, si. Alors, qui c'est Kill. Comment c'est Kill. I will kill you. Kill you. Je crois qu'il n'y a qu'un L. Hein. Il y, a... non, y en a deux. Ah, je sais pas, je vois pas. Les gars, j'ai une bonne vue, mais là. Un seul L, hein, voilà, c'est ça que je disais. I will kill you. Kill you. Kill you. Qui est donc le petit frère de I kill you. Dans la famille, la famille, la famille des tueurs, la famille des tueurs, on a mis les embrassés. Kizu qui avait vraiment bien, je te jure, c'était fou. Hein. C'était fou. Déjà, Nastinas, le boxeur, il était à deux doigts de battre Materazu. Materazu, il fait un comeback, je ne sais pas comment. Et à chaque fois, Materazu a deux doigts de battre Kizu. Kizu, il remporte et il gagne le truc. Franchement, ouais, c'était. Je vous dis, vous êtes gâtés sur le stream parce que vous avez vraiment du gros joueur de Versus Fighting, malgré le tournoi online qu'il y a aujourd'hui avec les meilleurs joueurs européens. Donc, franchement, c'est bon. On est gâtés. On est gâté, on est gâté, et merci à tous d'être. Je suis gâté. Gâté, de pardon. T'as déjà fait un gâté. Un gâté. Je peux pas me faire de gâté. Fais-moi un gâté. Et regarde, qui, regarde s'il est pas beau, grand maître. Kills you. Grand master. Grand master. À seulement 12 ans. À seulement 7 ans et demi. Je sais pas, mais je sais qu'il est jeune. Il est jeune ? Ça fait plaisir hein, que les jeunes s'y mettent. Comme quoi, si vous aussi vous êtes jeune et vous regardez, il n'est pas trop tard. Mettez-vous. Mettez-vous-y. 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 Mettez-y vous. Mettez-vous-y. Mettez-le en vous-y. Bang. Ce qu'il y a lui, il est dans les jeunes talents de Versus, c'est. Il y a un tiré du bas entre le Pat et le Chan. Je suis pas venu pour me faire engueuler. Hein. Tiré du bas. À la fin. À la fin. Pat Chan tiré du bas. 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 Tu sais, dans les grands genres de Versus, on a parlé de ça, des jeunes, il y a aussi Wawa. Tu me parles de Wawa qui est un des jeunes prodiges de la scène, grand joueur de DBZ. Wawa, mais c'est déjà un daron, lui, il joue depuis qu'il a... Qu'il a un an, ouais, qu'il a un an et demi. Son père l'a élevé à la haute culture. À la bagarre, au jeu de baston. À la bagarre. C'est ça. C'est les vrais. Versus Fighting, hein, si vous n'avez pas l'habitude d'y jouer, n'hésitez pas, hein, vous ne dites pas, ouais, c'est trop dur, c'est trop tard, etc. Non, non, il faut s'y mettre, en plus, elle est online maintenant. Nous, on a commencé, les gars, il n'y avait pas YouTube. Quoi ? C'est vrai. Non, mettez-vous-y. Landouzi, le meilleur. Hein. Ouais, bon. Bah, le meilleur, on l'embrasse, Pierre Landouzi, si tu nous regardes quelque part. Hein. Biobazar qui est là. Biobazar qui fait un ulule pour une future de Biobazar dès qu'on peut. Voilà, n'hésitez pas. Les sautilles d'Adi, le ulule de Biobazar. Le ulule de Biobazar. Soutenez la cause, parce qu'il a dit que si ça marchait le ulule, je pourrais faire une voix. C'est vrai ? Perso, bien sûr. Ah ouais, moi aussi je veux faire une voix. Eh ben voilà. Eh ben, et voilà. Et ben. Faudrait que tu retweets. Ça coûtera un retweet. C'est ça, ça coûtera un retweet. Kizu contre Pachan. Gaël contre. C'est pas mal, Karine contre. Ça me rappelle les petits matchs entre Knuckledoo et. Et Punk. Knuckledoo et Punk, les grands joueurs américains. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est à l'époque. Punk, qui est une légende américaine de 2017, qui l'est un peu moins sur 2018. Ouais, il galère un peu plus. Ouais. Il cherche un peu la. Sur cette version, voilà, Karine qui est moins forte évidemment, parce qu'avant elle était complètement pétée. Punk, il avait joué, il s'était mis à Camille aussi à un moment. Il joue Camille, il joue Chun-Li, il joue Camille. Ouais. Et là, il s'est remis un peu sur Karine, mais il cherche un peu, il galère un peu. C'est dommage. Knuckledoo, lui, qui est toujours craqué. Hein. Knuckledoo, il a une Camille, c'est tombé, il est complètement fou ce joueur. Bah lui, ouais, il jouait déjà Camille, c'est... Bah, saison 1, Camille était déjà forte. Là, mais... Saison 1 était. En fait, c'est un perso qui a toujours été très fort et qu'ils ont continué de up. De up, ouais, l'infini, c'est voilà, ça. C'est comme Gaël, tu sais, ils sont pas dit ouais, on va baisser, machin. Franchement, ils ont trop pété le perso. Mais Gookie, c'est fort. Hein.
Oui, t'as vu Takamura qui a battu Tokido en miroir. Ah ouais. En miroir, 2-0. Hein. 2-0, hein. Pas d'histoire. Ah oui, c'est vrai. C'est 2-0. Vrai. Bah oui, c'était streamé sur ma chaîne en plus. Ah bah voilà. Bah voilà. Par Chocobo qui, était envoyé aussi. Au... Exactement, qu'on embrasse Chocobo le frère. Qu'est-ce qui s'est incroyable. Passé incroyable. Et Kizu, ça y est, il est jeune, il a la grosse tête, il se barre. C'est pas possible ça. Franchement, on donne ça, ils prennent ça. T'es là. C'est pas possible ça. Je leur invite. Trompé de stage. Il a dit trompé de stage. Trompé de stage. Ouais, peut-être qu'il a mis le stage où on voit pas les pieds, là, à la plage, ou je sais pas où. Ah, ben non, parce qu'il a. Ah, mais du coup, il a quitté. Il a éteint sa console. Il a, il a coupé l'électricité chez lui. C'est le mec, il a coupé, il a paniqué. Bon, je te réinvite alors, Killezu. 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 C'est qui Squeezie? Squeezie, c'est un streamer youtubeur fort sympathique que vous pouvez retrouver dans le stream. C'est vrai. C'est un joueur de Tekken. Il aime beaucoup Tekken Squeezie. Ah ouais? Ouais. Possible. C'est un bon gars. Je pense qu'il a un pôle, hein, Boule avant 2. Oh, lui, Boule avant 2, grave. YouTube, il connaît Boule avant 2. Hein. Boule avant 2. Franchement, il a joué comme un bœuf tantôt. Hein. Boule avant 2. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça m'a nourri. J'ai pu nourrir mes gosses avec ce coup. Tu imagines si tu avais touché 1$ à par Boule avant 2. Tu serais un multimillionnaire. Ouais, je pense. Hein. J'aurais racheté le stream, j'aurais tout racheté. Juste si on t'avait donné 1$ pour ceux qui passent en hit, hein. Même pas pour ceux qui sont en garde. Même à tous ceux en hit. Ouais, même ceux en même que rien, ceux rien en hit, ça aurait été, j'aurais déjà de l'argent. Ouais, ouais. T'aurais déjà un patrimoine incroyable. Un patrimoine génétique. un patrimoine balocali. Exactement. Bon, Killezu là. T'étais une star, t'es peut-être vainqueur de ce FDJ Open Series la dernière fois. Mais c'est pas raison pour faire part au Nasty, salut mon Nasty. Salam. Buvez un Nasty. Bien joué, il avait bien joué, hein, franchement. Il avait bien joué, Nastinas. Nastinas, c'est vraiment qui a fait des progrès. Hein. Franchement, depuis le début où je l'ai connu, en 3 ans, il a vraiment bossé. Bah oui, c'est notre smug à nous. C'est notre smug à nous, exactement. Et j'espère que ça t'a fait plaisir. À mon avis, ça a dû lui faire plaisir. Hein. Ce qu'il a fait smug hier, c'était totalement fou. Aller au bout de la file d'attente. Il n'était pas au courant qu'il y avait FDJ. Ah, mais ça, c'est faute professionnelle. Et eh ben voilà. Hein. Eh ben voilà. Ça, c'est faute professionnelle. C'est à cause des autres. Ils voulaient gagner. Ils ont dit non, c'est demain. C'est lui, on dit. Ils ont dit non, c'est demain. Et voilà. Attends, sur le Discord Street Fighter, on en a parlé. Nous, on en a tweeté. Toi, t'as tweeté. Bah, on a des millions de personnes qui nous suivent. Comment tu veux passer max, à côté? Fais la max. Normalement, tu dois te faire un petit programme. Un petit planning. Un petit planning. Avec tous les FDJ. Et tu les mets comme ça. Voilà. Tu sais qu'à tel moment, tu viens tenter de prendre ton oseille. Voilà. Venez, renseignez-vous hein, sur le site FDJ Open Series. Tout est vraiment bien fait, FDJ Sport. Franchement, vous avez le calendrier de tous les jeux, que ce soit Versus ou pas, hein, parce qu'on embrasse évidemment Skyheart aussi, qui fait du FDJ Counter. Donc n'hésitez pas, ça fait zizir. Killezu qui est là. Oh putain, c'est le costume du bug. Ah ouais, tu c'est crois le costume du bug, putain. Ça a bugué. Ah non, mais je crois qu'on a reboot la console là. Ah, oh, pas de bug, s'il vous plaît, pas de bug. Pas de non, bug. Mais ça existe. Pas de bug, pas de bug. C'est bon, il est là. Ah bon, tu crois? Non, ça va, ça va. Ça va. C'est bon, on est bien. Alors ça, c'est pas mal comme match parce qu'elle a vraiment des outils pour passer à travers les Sonic Boom. Oh là, Killezu, il a pas le temps, je te dis, il a le temps. C'est la pire config, ça, quand tu te retrouves dans le coin contre Karine. Oh là là, c'est horrible. La balayette, Shoryu, la relevée. Oh, je dis Killezu, il a pas le temps, il est violent. Mais elle est tellement pétée quand au mur, c'est pété au mur, elle peut te faire la chope, le chimie, elle peut te mettre 2-3 coups avant de confirmer. Ouah, tu vois ça comme c'est bien fait, tu vois, Arnex, et tu peux passer à travers les Sonic Boom, ça c'est renfort. Et je pense que Pat-chan, sans vendre la peau de loup, ça y est, il est dans le coin, il va passer à Karine, un mauvais moment. Oh, il est tellement impressionnant. Oh, l'anti-air mal timé. Ça il est tendu sur Pat-chan. Ouah, il fait un combo bizarre. Misty Free, ouah, l'anti-air, c'est bien joué. Oh là là, il pourra l'atterrissage. Ça active, V-Trigger. Ouah, bien joué ça, la chope dans le V-Reversal. Ah, il est chopant, hein. Les chopes de Karine, c'est complètement fou. Oh, le cross-up qui est trouvé, mais il fait pas le combo. C'est dommage. C'est dommage, c'est bien joué ça derrière. Baliette qui tape ça. Pat-chan, Pat-chaga. Oh là là, Pat-chan Mama. Pat-chan, oh le combo. Et la super, et voilà. 1-0 pour Killezu. Et le tourbillon. Tourbibus. Parabatrus. Voilà. C'est la puissance, la paume, collée au mur, la paume. Toujours forte Karine. Et le rire. Le rire démoniaque. Mais depuis que Punk, tu as rejoué Karine, et ben, il est toujours fort. Parce que Karine, quand même, ça a beau être moins fort, c'est toujours quand même très 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 lourd. C'est pas la tenue du perso, là, dans... Street, le mec... Mais si, c'est la tenue de l'autre là, comment elle s'appelle déjà? Oh, aidez-moi le chat, moi je suis Alzheimer. Quel street? Alpha 3 Non, pas celui-là de Ono là.
Ah, je me souviens. Trip 2 ? Non. Alpha 3 ? Non. 4 ? Non. 3.3 ? Non. 3.2 ? Non. Trip en vacances ? Capcom Fighting Jam. Ah, voilà. Ouais, non, j'aurais pas trouvé. Et le perso là de Capcom Fighting. Voilà, tenue Ingrid dans Capcom Fighting Jam. Voilà. Merci. Il y en a un qui est là. J'ai réussi à vaincre la maladie de Alzheimer. C'est aussi la tenue de, oui. Le perso dans Dead or Alive, tu sais, la fille du cirque là. Tu vois ? La fille du cirque, exactement. Les vrais connaissent. Les vrais connaissent évidemment. Fille du cirque. Le coup du genou, c'est bien joué. Le chimie gauche-droite, c'est bien joué. Incroyable. Chimie pour faire livrer. Il a pas piffé. Attention, Shoryu l'a relevé. Oh là, il a voulu mettre une phase. Il est bourre, il s'en bat les couilles. Bah oui, Shoryu a la relevé. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, soit tu fais des vrais setups sur la relevée, ou soit tu fais des trucs qui n'existent pas et à ce moment-là, ton adversaire, tu peux être sûr qu'il va bourrer. Ouais, il va bourrer derrière. Attends, est-ce qu'il attend Sonic Boom ? Oh, c'est bien tant joué, le whiff. Tant que t'as pas montré que tu fais des setups parfaits qui carottent les bourrages à la relevée... Et bah le mec, il va bourrer à la relevée. Le mec, il va bourrer. Pourtant, dans le jeu, vraiment, la clé, c'est les mitis. Hein. Si vous êtes carré sur les mitis... Sur les setups, les mitis, ouais... Vous savez que vous imposez votre autorité. C'est ça, c'est faire... Et c'est là où elle est forte aussi, Carrie, c'est que... Chaque fois qu'elle touche, voilà, il y a un truc qui renvoie sur un autre truc. Voilà, là ça renvoie sur. Il fait jamais flash kick, ça tue peut-être. Il a jamais flash kick. Hey. Il est zéro flash kick. Voilà, il est mort avec ses idées. Avec ses idées. Voilà. Comme tu dis, il est né avec ses idées, il est mort avec ses idées. Ouais, il a jamais piffé, donc tu ne piffes pas, tu meurs, c'est évidemment. Le pif, c'est quoi ? C'est le respect. C'est le respect de l'autre. Tu ne te fais pas respecter, tu meurs. Pachan, évidemment, il faut jouer propre, mais pas autant que ça. Street Fighter 5, il faut jouer sale à un moment. Il faut savoir envoyer. Regarde Daigo. Alors, Daigo, il fait que ça, c'est pour ça qu'il est mort hier, hein. Mais au moins un petit flash kick ou deux. Bah oui, à la relever. Il est mort comme ça, mais Tokido qui a gagné le tournoi, lui, il a gagné avec un pif à la fin. Si c'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois, comme quoi, voilà, il faut savoir envoyer. Ce qu'il y a, c'est que le pif est une arme, mais si tu t'en sers pas, tu. Ça te sert plus à rien. Bah ouais, c'est dommage. Ouais. Dommage. Et Kizu qui continue à être impressionnant. Je rappelle, Kizu, c'est le vainqueur du premier FDJ Open Series sur Street Fighter 5 qui avait battu Amaterasu. Peut-être la rencontre de nouveau. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra ça tout de suite. Et on continue ce tournoi. Bravo à Kizu qui avance, qui fait ce petit bonhomme de chemin. Bah si, il y a Kizu Amaterasu. C'est la deuxième demi. C'est la deuxième demi. Bah voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Voilà. Et bah tu vois, j'attendais celle-là. J'attendais celle-là. Donc tu m'envoies un bridouche. Tu m'envoies, tu m'envoies quoi pour la deux. Ah tu m'envoies un bridouche. Qu'est-ce que t'as bah, bridouche Craven. Hein, ouais, je te dis. Est-ce que je peux le garder ça hein. Il n'y avait pas une phase lui avec son pseudo. Il nous l'avait dit dans le chat tout à l'heure. Si si, c'est avec un slash machin. Les couilles sur la commode. Bridouche. Bridouche. Le meilleur Nash de Guingamp. Bridouche bag. Bridouche bag. Je peux le garder ça. Eh ben non. Je le vire. Je le vire. C'est comment déjà Concraven ? Je sais plus, c'est HBK Craven. HBK Craven slash GG. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Underscore, c'est GG. Si je me souviens bien, le. Si je me souviens bien, le. Je vais underscore, tester. GG, underscore. Ça, ouais. Underscore GG. 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 Unit. Et oui, c'était ça, comme quoi la mémoire cet été. La mémoire dans la peau. La mémoire dans la, la, mémoire dans la peau. Grand film. Tu sais que j'étais invité à l'avant-première de Mission Impossible. Tu l'as vu ? Eh hey, j'ai le droit de spoiler ? Est-ce qu'il meurt à la fin, Tom Cruise ? Si je spoil, je me fais tuer. Tu sais que j'ai regardé des films avec Tom Cruise. Hein. Toute l'équipe de films, il normal. Là, il y avait Tom ils Cruise. Sont assis à côté de nous, ils ont regardé des films comme ça. Tom Cruise ? Le mec, il est en post-prod, il est producteur, il a dû voir le film 100 fois, il s'est assis à côté de nous. Tom Cruise, il était là. Tom Cruise. Il était là. Tom Cruise, Rain Man, Mission Impossible. Mission Impossible 2. C'est le mec qui n'a plus le titre des noms. Top Mission Gun. Impossible, top impossible. Cocktail. Cocktail, John Maguire. Cocktail, Jerry Top Gun, Maguire. Donc Mission Tom Cruise, il était là. Tom Cruise, il y avait toute l'équipe. Simon Pegg, Shaun of the Dead, moi je suis fan. Il Simon était là, Pegg, l'acteur était de là. Superman et tout. Ils étaient tous là. Les mecs, on se dit, bon, ils vont se barrer, super, super sympa. Les mecs, ils montent et puis ils s'assoient comme ça, ils sont à côté de toi. Il regarde le film. Il regarde le film. T'as du popcorn, Tom ? J'ai pris. Oh, les gars, devant. Les gars, s'il vous plaît. Hé, Tom, ton popcorn. Donc, très sympa. Je me suis bien régalé. Tom Cruise de Créteil. Tom Cruise de Tom Cruise. Donc, voilà. Et franchement, assez ouf le film. C'est n'importe quoi. Mais. Je ne même pas incrusté. Moi, je te fais voir Vandame. Et toi, tu mais c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas... Parce que moi, c'était moi. Mais toi, t'es influent, toi. Tu ne me touches pas. plus maintenant, plus comme ça. Mais ça, ouais, je l'ai vu. J'étais honoré. Tom Cruise. El Cruzito. Incroyable. Thomas Croisière. Thomas Croisière, le meilleur. Non, il était là, franchement. Petit discours. La forme, ah ouais toujours. Hein.
Et puis il s'assoit avec nous, le mec, qui regarde le film. Il fait 1m52, je crois. Il fait 1m37 dans les Il tantalonnette un peu. Ah, franchement, il m'arrive là, c'était Philippe Bouvard. Ouais, c'est bien joué. Bridouche contre Cravat. Non, c'est bien joué, Overhead, c'est bien joué le stab. Voilà. C'est bon. Allez, c'est bien joué. Alors, normalement, c'est un bon match pour. Un bon match-up pour Nash, voilà. Faut jouer. Ouais, je pense que pour Nash, ça va. Le secret avec Birdie, moi je l'ai pas mal joué ce match-up. Déjà, là tu sautes en un coup, parce que tu sais qu'il va sauter au-dessus de la canette. Ouais. Et le secret, c'est de lâcher des zonks en réflexe au-dessus des Sonic Boom. Tu vois la zonk, comme ça tu peux passer au-dessus, voilà. Mais j'espère que Craven il connaît un petit peu. Je pense, hein. Oh, déjà, il a fait un boule avant. Boule avant 2 tantôt. C'est bien joué, voilà, le Dolphin réflexe. Allez, le slide pour empêcher d'avancer. C'est bien joué, derrière la balayette, pas puni. Oui. Laisse-le dans le coin. Tu sais qu'il va taper. Zonk avec moi. Tu bloques derrière. Oh, la bonne garde et la déchance. Il est là. Oh, il est énorme, Craven. Maintiens le X pour traverser. Voilà, l'anti-air, c'est bien joué. Il a pas fait. Non. Voilà, ouais, il balance ça comme ça, il s'en fout. C'est bien puni. Hey, le pressing, le V-reversal. De toute façon, c'est chaud. C'était bien joué. S'il continue à faire ça, non, fallait canetter. Canetter, mais il est bien aligné. Il a pas besoin d'attaquer. Voilà, canette. Voilà. Saute et tape en même temps. Voilà, tu vois le double hit. Double hit, c'est ça qu'il faut faire. Tu sautes et tu tapes en même temps. La chaîne qui vient mourir. Sur le chemin. Attention, parce que le comeback n'est pas loin. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Non, fais pas Qu'est-ce le fou. Que tu fais? Voilà, 10 secondes. Oh, belle des shop book. Attention, le Verriverse, attention, le V-Trigger. Oh, c'est bien joué. Là. Ce genou qui était à mauvaise distance. Mauvaise distance, du coup. Un genou qui peut être bon s'il a distance. Oh, il l'a pris. Ah ouais, du bout du slip, ouais. Le dash up encore, le double. Ah, tu vois, fallait refaire dash up. C'est bien joué, ça a MP derrière. Hey. Attention, il a attendu. Oh, il a tenté. C'est gourmand. Garde-le, X. C'est bien joué, il joue bien. Un petit, il sent le Dolphin. Le Dolphin va arriver. La canette, tu sautes et tu tapes en même temps. Voilà. Et tu chopes derrière. Je t'ai dit de choper. Ah, il écoute pas ce qu'on lui dit, il a pas l'oreillette, je te dis. Oh là là. Voilà, derrière. Combo dans la garde là. Oui, ça, c'est bien joué. Canette. À faire canette, c'est bien joué. Derrière, et le combo. Oh, il touche pas avec le MP, dommage. Ah, parce qu'il était baissé. Ouais, c'est bizarre. Il était baissé. Peut-être le comeback de Bridouche. Attention, ça va être compliqué l'overhead. Le genou. C'est bien joué ça derrière. Attention, il le laisse avancer. Oh, belle entière ça. Ouais, c'est beau. Le classique. Balancé. Ça, c'est le classique. Balance au pif, ça passe. Mais c'est plus safe maintenant. Franchement, tu te fais évidemment punir maintenant avec ce truc. Ah ouais, ça a été safe trop longtemps. Alors que Urien, lui, toujours. Il s'en fout. Bah, Urien, il est pété. Urien, c'est vrai que. Urien, il peut toujours balancer. Il a combien en plus en bloc? Je ne sais pas combien il est. -2, Urien. -2 derrière. Ouais, ils l'ont laissé. Tranquillement. Ils l'ont laissé. Parce que ça, derrière, maintenant, tu te fais bien punir. Hein. C'est plus safe comme avant. C'était pété. J'avoue, avant, c'était complètement pété. Il y a 1-0 pour Craven. Va-t-il arriver en finale? Oh, Craven, ce serait beau. Hein. Il y a un peu une finale, il y a un peu une demi. Où ça joue les persos sympas, Birdie, voilà. Nash, Birdie. Et l'autre où ça joue le classique, ça joue les persos des tournois. Les persos des vrais. Ah là là, et chaque fois la chaîne. Il est au bout. Oh, c'est bien joué cet entier là. Je sais pas s'il le gère bien. Oh, là. Hey, il reprend de la vie, voilà. Hey. Il se recharge sa barre tranquillement. Ah ouais, avec le MK en. Ouais, il est carré. Hein. Ouais, il connaît. Non, il est fort. Bon, on a quand même un super diamant, il fera diamant. Hein. Faut pas déconner. Hein. Hop. Oh, cette fois, c'est lui qui l'amène des avec le saut. Voilà, le zonk. Attention, Bridouche, active. Lex. Il a fait du bon taf là, il peut se faire remonter. Oh là là. Dans le Sonic Boom. Oh là là, mais au pif. C'est passé plus, mieux ça passe. La même. Oh, le backdash, c'est bien joué. Énorme. Oh, il est resté devant. Il balance. Et Zubea, évidemment. C'est dommage un peu peut-être de balancer la super, de gâcher ça. Il aurait fait le combo avec un mec. Ouais, ça aurait pu tuer. Ça aurait pu tuer peut-être. Mais bon, il a voulu assurer. Alors, mon Bridouche, t'en penses quoi? Pas dégueu, hein? Ah, il a ce Bridouche. Le Bride. The Bride. Kiss the Bridouche. Il est bien là. Un Bride averti en vaut 3. C'est bien joué, ça. Le Bride Mo. Le Bride Mo. Oh, voilà! Dolphin, le sauver Willy. Le slide derrière. C'est ancienne, ça. Hein, tu fais le slide derrière. Tu sais que ça revient à la mode. Ça revient. Les gens l'ont oublié. Du coup, ça revient. C'est comme un ancien tube, tu sais que tu ressors, remasterisé. Oh non, ça c'est pas bon, ça c'est bien joué. Génus, ça c'est Génus, la même. Je la fais plus, la chaîne X. Hein. Depuis que vous allez chier dessus, avec ça. C'est bien joué, hop. Ah, bien joué, il a arrêté le reversal. Voilà, la shop derrière, ça bien joué. Bientôt la barre de stun, attention. Entière. Ah, il a pas. Ah là là. Faut sauter sur place, les amis, quand vous avez une chop spé. Hein. Ça sert à rien d'esquiver en arrière. Oh, c'était bien anticipé pourtant, la chaîne. Attention, bientôt l'égalisation pour Bridouche. Il a sa barre de trigger. Ouais, il va charger la super, c'est pour ça qu'il fait des petites boules. Ouais. Et comme ça, là, il fait boule et si tu sautes, tu
fini. Oh, attention, Zuber. Barre de trigger. Hein. Et il peut gratter à la Zuber. Oh, oh, il aurait pu supérer. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il va pas surmonter. Super, mais super. Il va surmonter. Oh, il rate son combo. Il rate son combo. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Raven qui avait le meilleur comeback de l'histoire. Il avait tout là. Il avait tout. Il a raté le combo. Il avait juste à faire, tu sais quoi? Il avait juste à faire saut MP. Parce que si jamais l'autre faisait ultra dans le vent, il pouvait rattraper avec le coup de tête. Du coup, il était option sec dans tous les. Bridouche qui a eu chaud au final. Hein. Il a eu chaud, Bridouche. Et bon. Un partoups. Toups qu'on embrasse, hein, le meilleur versus. Avec cette team Ares extraordinaire qui s'est arrêté aussi vite. C'est bien joué. Et le zonk. C'est pas facile ce match quand même. Il y croit plus, Kraven. C'est la gloire passée. Allez, Loïc. Mec, il balance des mots. Ça balance des prénoms, genre c'est ton pote. Allez, Fabien. N'importe quoi. Loïc. Ah, Loïc. C'est le nom de footballeur. Ah, ça sent le dolphin. C'est quoi, ça sent le dolphin? Ouais, oh, non, mais dolphin, ça passait. J'ai cru que ça allait marcher pour une fois. Mais oui, mais non, il faut faire le dolphin, c'était bien là. C'est bien joué, attention, le bas MP, le bas petit point. Oh ça, là c'est là. C'est trop lent. C'est trop lent. Allez, sur en même temps que le coup. Oui. Ah, bien joué, l'entière. Balayette. Toujours très fort ce bas MP de. Ah, oh, c'est bien joué derrière. Hey. Bien joué le combo. Bien, attention. Combo. Le X, alors il a le X. Hein. Il va balancer au bon moment l'ex, qu'il a le, V-Trigger, Kraven. Allez, balance le X maintenant. Ah, il balance pas. Maintenant. Mais maintenant, je te dis, ben Dieu de bonsoir. Ah, oh, ah oui. Bon, ça, coup c'est... de tête, trigger. Coup de tête, trigger. Maintenant, hop, voilà. Trigger. Activation, là-dessus on est d'accord. Voilà. Casse-garde. Attention, c'est chaud. Oui. Ça, tu peux punir ça. Ah, c'est plus ça. Oh, pas. Il entière. Ouais, bien joué, c'est entière. Bas MP. Oh là là. Il est en l'air, là, faut faire bas MP. Bas MP. Faut-il faire encore au bon moment. Au bon moment, évidemment, ce n'est pas tout. Hein. Rappel, bas MP, c'est l'entière de. MP, c'est middle punch, donc point moyen, pour ceux qui ne connaissent pas. Le dialecte versus fighting, c'est bien joué. Voilà. Oh, allez, le pressing. Laisse-le au coin. Voilà. Laisse-le au coin. Ça c'est bien joué. Reversal. C'est ça, selon la distance, le coup de genou est plus. Ouais, loin, plus ou moins en avant. Ouais. En bout de genou en fait. Ouais, il faut vraiment toucher avec le bout. Oh, c'est bien joué ça. Oh, l'MP. Oh, c'est bien joué. Il est carré. Il est carré. Il arrête pas. Il a un petit dolphin là. Oh là là. Oh, hey. Bridouche. Bridouche, il est là. Eh bien joué. C'est la balle de match quand même pour Raven là. Donc faut que Bridouche, voilà, il se réveille. Le dash. Et là, oh je le savais. Non, et je le savais. Ah, il est mort. Ah non, le comeback. Allez, le comeback. La canette. Bridouche. Il sait qu'il va. Bridouche attaquer. Bridouche va attaquer. MP. Applaudissement. C'est bien joué. La jambe en début de saut. Ah, le MK, ça reste toujours un. Moi, c'est un bon coup à balancer. Valeur sûre. Hein. Franchement, tu risques rien. En counter, t'as combo. Ah ouais? C'est, ouais. De près, tu peux faire MK, light et tout. De l'Evray. Époque d'Evray. Et donc, le birdie qui se hisse en finale. Le perso, on est là, Kraven, ça fait plaisir. Tu vois, m'écoutes. Il se passe rien. Écoute, c'est bon. Bravo à Bridouche quand même, qui malheureusement est éliminé. Mais il a fait un bon tournoi. Il a fait un bon tournoi quand même. C'est vrai, bah, Nash, c'est pas évident. Nash, c'est pas évident. C'est moins craqué qu'avant. On rappelle, saison 1, c'était pété. C'était le dash, c'était complètement fou. Mais les avantages qu'il avait. Dash avant. Infiltration, il a gagné que comme ouais, ça. Dash, il a fait là, un évo que comme ça. Et puis, il a gagné. Donc voilà, bravo à lui. Et Kraven, qui avance tout doucement vers la finale. Qu'est-ce qu'on a de beau là comme match? Oh là là, la rencontre. La revanche. La Revenhack, comme on dit en espagnol. La Reventino. C'est en italien, ça. Ah bon? Ah ouais, excuse-moi, j'ai pas ton dialecte. La revanche, mon karaté, tu l'avais vu là-bas. En plus, il avait reset qu'il joue. Je sais pas ce qu'il avait fait. Enfin, c'était premier en 3, il avait fait 3-0. C'était, ah ouais? Enfin, c'était fou. C'était fou. Énervé. Je sais plus quoi il avait fait, mais c'était fou. Attention, alors, est-ce qu'il a taffé Zera? Est-ce que Amaterasu, je rappelle, se venger et laver son nom. Qui a officiellement le meilleur perso du jeu, parce que Tokido, hier, le japonais, a remporté le tournoi invitationnel. $150,000, il a gagné un des plus gros tournois versus de l'année. Franchement, c'est beau. 150 000 dolls. Franchement, c'est. 150 000 capsules. Pour s'acheter du kimchi. Kills you, je l'invite. Franchement, c'est beau, hein. C'était un beau tournoi, hein. C'est une belle prod. Hein. Presque aussi belle que celle de FDJ sur le stream. On remercie toutes celles et ceux qui sont là avec nous. Et Karaté, hein. On remercie d'être là, ça fait plaisir. Bonjour. Plaisir que tu sois là. Ça va?
Ça va. On embrasse Maxi Dan hein, qui sera de retour très bientôt de vacances, tout bronzé, car il est blanc comme un fion. Hein. Si je peux dire, il faut qu'il bronze. Hein. comme un cul de singe. Il faut qu'il bronze hein, le maxillaire. Ah, il y a du monde. Amaterasu encore maître. Et il joue sur PC, Amaterasu. Hein, je savais pas qu'il joue sur PC. Mais ça, c'est bien sur Street parce que c'est cross-platform. Tu vois, je me suis mis à Tekken sur PC aussi. Je pense que sur PC, c'est tellement mieux. Mais c'est chiant, c'est pas cross-platform. Quoi. Donc bon. Soul et SNES. Mais de plus en plus de gens sont en train de twitcher. Donc voilà. Allez. C'est les quoi? C'est les quarts ou demi là? C'est demi, hein? Demi, demi j'entends Régis. Demi. Un demi pour la deux. Je vais au bout. Donc là, ils se battent pour rejoindre Kraven, le birdie, en finale. Ça fait plaisir de c'est voir. C'est first 15, je crois, en finale, c'est ça. 17, on l'a au moins. on était trop en avance, trop en retard, du coup. Ouais, c'est vrai. On s'excuse par rapport au Gotagger, hein, les fans de Gotagger. On a été un peu en retard la dernière fois. Ah bon, on s'est fait un tout petit peu... Ah ouais, déféquer dessus. Non, c'est pas possible. Hey, Gotaga et Mikalo, c'est des frères, les gars. C'est des frères. Du coup, on a ouais, dépassé Gotaga. De 20 minutes, évidemment. Gotaga, il est sub à ma chaîne. Il est sub. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah, un homme de goût. Un collègue. Un bon gars, Gotaga. Mikalo aussi. Il avait aussi. Ses petites emotes sur son truc. Un vrai gars. Et c'est parti, Amaterasu contre Kizu, la revanche du FDJ, le premier FDJ Open Series sur Street Fighter 5 avec Max Hildan qu'on avait commenté. Et Kizu avait remporté ce tournoi. Est-ce que ça va être la même? C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. Regardons, que va-t-il se... Ah, ils jouent tous les deux le stage du papier millimétré. Le stage du non-lag. C'est ça. C'est bien joué. Online, c'est le mieux, je pense. Oh là là, il est prudent ce qu'il joue. Oh là, c'est bien joué. Première chope et ça amène au point. Ça amène au point, tranquillement. Il ne faut pas trop déchoper contre Karine au milieu de l'écran. Karine, en fait, ça ne sert à rien de déchoper parce que tu sais que tu n'as pas grand-chose derrière. Oh là là. Par contre, dans le coin, c'est fini. Dans le coin. Tu sais qu'il va bourrer. Et ça change de côté. Ça, si c'est pas pété. Il l'a pas eu. Ouais. Le petit backdash, il a pu fuir. Qu'il joue, c'est le bon choix. Il joue. C'est le choix gagnant. Prend la boule. Ouais, il est venu prendre sa boule. Max damage. Attention, Shoryu ou pas? Shoryu? Shoryu, c'est bien joué. Il garde, attention, il est prudent, Kizu, c'est bien joué. Ishimi, il bouge bien. Le comeback de Amaterasu. Il a craqué. Oh, il le savait. Il le savait. Bien joué, Zera. Oh, il a bloqué le Shoryu. Il a bloqué au bon moment. Il a bloqué le pif. C'est tellement bien vu, ça, de la part de Amaterasu. Amaterasu, il a pris le dessus. Ouais, Zera, souvent, il commence bien. C'est pour finir après. Qu'il a du mal. Ouais. C'est bien joué le MP. Bas MP, gros point, c'est la base de Wookie. C'est tellement fort. Gros pied. Le gros pied, c'est MK ça aussi. Ouais, MK et gros pied. MK, gros pied, il n'y a pas mieux. Gros pied, t'es bien. T'es yimb. C'est bien joué à boule de feu, attention derrière. Gros pied, moyen pied. Voilà. Gros pied. Ah, il a sauté. Il a sauté une fois. Pourtant, il a bien endormi avec des gros pieds. Avec des gros pieds, mais tu n'endors pas. Tu n'endors pas, Amaterasu. Il a pris une garde. C'est bien joué. Il a pris debout. Oh, c'est bien joué. Allez, Chocobo, il y a le frérot. Chocobo Tiger. Salam, frère. J'attends toujours le stick, hein, tu sais, d'Italie. Hein. Je ne t'ai pas oublié. Parce qu'on m'a envoyé un stick, j'ai gagné un stick lors d'un tournoi en team, Italie. Et ça fait un mois que j'attends mon stick. T'avais envoyé Yoga Patate en deux, non. cette fois-ci. Non, j'avais fait la team avec les gens de Tekken. Ah. Et j'ai dû striker, je me suis bien régalé. Du coup, j'ai gagné un stick et je veux lui filer, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc, je t'ai pas oublié. Allez, c'est bien joué. En deux. On embrasse Yoga Patate, un frère, hein, d'ailleurs. Un frère. Hein. Ouais. Eh, je lui ai donné la gloire, j'ai fait de lui une star. Après, quand il sera une star. Dans 40 ans, son yacht. Son lit de mort. Génus, merci. Allez, combo. Il déroule, Zera, il est revanchard. Il a raté le combo. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, soit il y a peut-être un lag chez lui ou je ne sais pas. Il a raté en tout cas Kizu, du coup, l'a graillé derrière. Oh, il a voulu chimie. Ouais. Shoryu là. C'est bien joué, il aurait du Shoryu en réflexe. Oh, il a réussi à retomber sur ses pattes, Zera. En plus, le Shoryu de Karine, c'est quoi? C'est quart de cercle arrière, je crois. C'est pas... Ouais, c'est un quart arrière. Du coup, c'est pas Shoryu, c'est... Non, c'est pas une manip de Shoryu. Hey. Ah, c'est bien joué, il a tenté le bon point. Taper. Et balle de match déjà pour Amaterasu, hein. Balle de finale. Franchement, ce serait dommage. Pour Kizu qui... Mais il a sa super, attention.
Il a sa super. Il peut remonter, hein. Je rappelle quand il a gagné le tournoi, qu'il joue le premier DJ Open. Franchement, il a remonté des enfers. Oh, un dragon, il est invincible, hein, Amaterasu. Tu lui sautes jamais dessus. Oh bon. là. Je sens la remontée fiscale. Hey, la remontée fiscaliste. Oh, c'est bien joué, allez. Ça sonne. Et hey, le combo, on y part. Le combo, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, il fait 11. Oh là là. Le comeback U. Le comeback U. On comeback, c'est japonais. Ah là 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 là, attention, Amaterasu Zera. Amaterasu. Oh, attention, c'est bien joué. Il a sa barre de vie et il a sa barre de super qui joue. Il peut comeback encore une fois. Oh, il rate le combo, c'est pas possible, c'est pas le moment. C'est pas le moment de rater le combo, Kizu, t'es tellement bien parti. Oh, bah voilà. Et bah là, il passe, tu vois. Là, on va bien jouer à Bayette, le bif aussi. Zera, je t'ai dit, il a du mal à finir les matchs. C'est pas possible, il va pas faire ce comeback encore. S'il se fait comebacker, il meurt. Il revend le jeu. Il désinstalle sur PC, il enlève son PC. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas possible, pas deux fois. Oh là là. Attention, voilà, c'est bien joué, il bloque bien, il va pas se prendre le combo. Il se prend les bas MP en bloc. Ouais, il veut plus rien savoir. Ah, c'est combo, bon, attention. Hey. Alors attention à la relevée, tout va jouer. Tout va jouer à la relevée, il va faire son... Oh, il avait réussi à provoquer attention, la déchoppe. Le comeback, oui, c'est bon, ça tue. Non, t'as raté. Il a raté. Qu'est-ce que t'as fait? Ça tue encore. Non, il a raté. Oh, c'est pas possible. Non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ces japonais? Aïe. C'est marseillais. Il a la super. C'est Libanais, ça rentre. Et le comeback U. Très très mauvaise boule à ce moment-là de la partoche. Pourquoi tu fais une boule? De la partoche. Bah ouais, mais il fallait attendre, là, fallait être solide. Je te dis, il est jamais mort, Kizu, jamais mort. Il est jamais mort. Il a quand même mal géré, là, à la fin, il doit attendre. Tu dois attendre et plus rien faire, tu bouges plus. Tu sais que l'autre, il va sauter. Voilà, tu sais que l'autre, il va sauter. Tu restes concentré et t'espères. Oh là là. Là, par contre, cette boule, même dans la garde, elle a porté rien. Même en hit, elle tuait pas. Ouais, il y avait rien, ça avait rien, je sais pas. Il a peut-être la peur de gagner. La pioline, hein. La peur de gagner. Zera. Au bout, la boule. Hey, c'est bien joué. Oh, le chimie derrière. Oh là là. Oh, c'est dur là mentalement. Pour Zera. Oh là là, le stun derrière. Il change de côté. 1, 2, 3, 4. Ça bloque, mais c'est pas grave. C'est parce que ça fait plaisir. Oh, attention, le comeback aussi de Zera. Il connaît les comebacks aussi. Il les connaît. Ah bon? Ah oui, il connaît les comebacks. Crois-moi qu'il en a fait. Oh non, attention. Oh, c'est bien joué. Il rechange de côté derrière. La petite phase derrière. Voilà. Et on se barre de cette embrouille. Attention. C'est risqué, attention, dragon derrière. Oh, il va se faire comeback. Un pixel de life. Oh, qu'il s'y fait, il vire vol. Oh, la balle. Il a fait n'importe quoi, Zera. Ils ont fermé les yeux. Ouais, il a sauté devant, il a sauté derrière. Quoi. Balle de match pour Kizu. Une balayette, ça passe, c'est magnifique, c'est ça le talent. C'est le talent américain. Au bon moment. C'est ça. Rien ne sert de bourrer à temps, il faut choisir sa cible. Oh là là, il est tellement là. Oh, bien joué, ça change de côté. La chop, le MP. Ah, dragon, merci, ouais. Il a eu le temps. Il est fort, le dragon de Gouki, hein. Il peut rien faire. Mm. Oh, la chop des chopés, c'est très très chaud. C'est tellement chaud. Attention, ça va faire mal, ça. Hey. Wall. Il passe de l'autre côté. Oh, la chop derrière, qu'est-ce qu'il joue bien. Voilà. Oh, c'est bien joué. Allez. Combo, la pression. Oh, la chop, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Oh, c'est tellement chaud. C'est tellement chaud, il gagne Kizu. C'est pas possible. Oh, j'ai envie de vomir. J'ai envie. Et Kizu qui mange à nouveau Zera. Oh là là, Zera qui tue pas. Il a du mal à finir à chaque fois. C'est quoi ça? C'est quoi son problème? Vois quelqu'un. Là, Zera, il a le kick droit sur la souris. Il va se désinstaller. Le jeu, il appuie et voilà. Et voilà. Plus de Street Fighter et il s'en va. Attends, je voulais lui mettre pardon. Voilà, je te mets pardon parce que moi-même j'ai mal pour toi, Zera, je ne sais que dire. Bon. Et donc, Kizu qui reste là? Bah non. Ah bah. Non, on va peut-être jouer d'abord le match de la troisième place. Ah, il y a une troisième place. Il y a une troisième place. 20 euros à gagner. Alors, faut réinviter. Ça Zera. Fait un dîner pour un, mais non pas pour deux. Ça dépend, si tu vas dans un établissement modeste, un kebabier, un maître kebabiste, tu peux te faire plaisir à deux. Docteur S. Kebab. Oh, je suis tellement choqué. C'est dur, hein, mental. J'aurais dû faire ce tournoi. La France a souffert, la France a trop souffert. Franchement, j'ai mal pour lui. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Ama? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Là-dedans, dans ta caboche, là? Dans le cerveau là, comme dirait Garou. Oh yeah, c'est bon ce. Bon, bah bravo, hein, franchement, le comeback, Kailu a encore gagné. Bah, qu'est-ce que je te dis, les chiens ne font pas des chats.
Mais qui sort, c'est n'importe quoi. Mais qui sort, il veut rien dire. Alors, c'est qui en troisième place déjà? C'est Loïc. Fabien. Fabinos. Oh, les meilleurs sont là en plus, on les embrasse. Ah, Materazzo contre Bridouche. Eh, le bride. Materazzo, Bridouche. Salut, karaté. Amaterasu contre Bridouche. Bridouche. Amaterasu. Amaterasu. Justin Bridouche. Laurent Bouzzi. Oh là là, Amaterasu. Franchement, je... hey, au moins à troisième place, tu te fais les 20 euros. Parce que là, sinon, je ne vais plus te voir chez moi. Franchement, c'est tellement beau. Kizu, peut-être le doublé. Hein. Écoute, je ne vais pas te mentir, pour Birdie, c'est pas un match trop dur. Birdie Karine. Tu vois, si tu as les bonnes armes, tu as les bons pokes. Moi, j'ai souvent joué contre Ménard. Ménard, il battait souvent Punk, tu vois. Donc, franchement, ça, c'est dur. Mais le match est un peu avantagé pour Birdie. Après, c'est pas la même. Ouais, il te fait tomber une fois. Et... Oui, tout, bah, c'est pété, c'est sûr. Karine dans le coin. Et puis, la baguette de Birdie, elle est plus pétée comme avant, tu vois. Elle est beaucoup plus. Ça, il va falloir faire du MK, du MP. L'UMP, le point. Ah, MP, c'est craqué. MP, MK. Et ça, il le fait jamais, ça. Ouais, gros point. Ça, c'est pété, hein, gros point. Tu peux faire gros point, cancel en trigger, t'as même combo derrière. You know what I mean. Bridouche, la légende, Bride. Je crois qu'Amaterasu ne fera pas de match de troisième place. Je crois qu'il a débranché, il a coupé l'électricité chez lui. Cassé, tu sais, il est dans le noir, il est dans le noir chez lui. Il a pris le stick, il a jeté contre le mur. Tu sais, dans le noir chez lui, genre... Il est dans le noir avec la lèvre qui tremble. Il se dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais sans mentir, il n'est pas là. Hein. Bon, je vais le raviter. Amaterasu, si tu m'entends, il y a un match de la troisième place. Je sais que c'est dur, je sais qu'il faut l'admettre, il faut serrer les dents. Ça fait mal. Je sais pas son numéro en plus. Appelle-le. Attends, tweet-le. Amaterasu, on te tweet, tu peux gagner les 20 euros. C'est pas 170, mais c'est les 20 euros quand même. Je te ravite encore une fois. Fais-moi zizir. Je sais pas le numéro. Amaterasu. Amaterasu. Je suis Amaterasu. Franchement, j'espère que le chat vous régale. Encore des beaux matchs, encore des comebacks. Franchement, c'est beau. On est gâtés là. On est franchement gâtés, Timo. Gâté. Est-ce qu'il y aura sinon, t'as qu'à le jouer le. Tu veux que je m'en occupe? Tu veux que je m'en occupe, moi? Ça veut dire ça. Ah non, il va venir. Il va venir, je te dis. Zira, si tu nous entends. Zira, si tu nous entends. Deux fois. On appelle. Tu sais, on fait. Z. Comment ça s'appelle ça? C'est le Ouija, là. Z. Défaite. Défaite. Kills you. Non, mais je sais pas. Non, mais je crois qu'il est plus là, il est plus... Il a sauté de l'immeuble. Il a sauté, c'est pendu avec le fil du stick. Penché BFM, s'il a avec le fil du stick. Un joueur de versus fighting, quoi, pendu chez les. Suite à une défaite. Double défaite pour Kizu ou jeune prodige. Non, mais je sais pas ce qu'il fait. Bon, Bridouche, t'as les 20 balles. Hein. C'est ce que je te dis. Allez, c'est bon, c'est cadeau. Allez. Je les sors, t'as quoi, les 20 bouliches. T'as 5? Tu crois que je suis à 20 balles près? T'as 15? Moi, tu crois? Bon, mais 15, je mets 5, allez. Non, mais je sais pas. Bon, je le joue ou pas? Non, je joue pas et c'est pas. Je sais pas. Si on a qu'à faire la finale et après la. La troisième? Bon, so... vas-y. Bon, allez. Bon allez, bon bah voilà, Amaterasu, dommage. Bridouche qui dit merci pour l'argent. Merci, bah, si t'arrives à retrouver Amaterasu, s'il est vivant. Voilà, c'est tout, hein. Sinon, tant mieux. Allez, c'est parti. On va se faire la finale, les gars. Finale en 3, et bah si on a le temps, on fera une petite finale. Bah voilà. Une moyenne finale. Alors, on invite le Krav, Jimmy Craven. C'est parti. Alors c'était quoi? C'était quoi le pseudo de... HB Craven. Il est là. HB Craven. -JG. Tiré du bas. Oh, tiré du bas. Zira, il est pas un 20 euros près, mais ouais, mec. C'est vrai. Est là, il vit dans son château. Alors, I kills you. Kills you. I will kiss you. Vainqueur par KO. Vainqueur par forfait. Sur tapis vert. Vainqueur par décès. Par auto-suicide. Allez, c'est bien joué. Et du coup, grande finale en 3 cette fois-ci. En first to 3.
J'ai bien mis en 3. Voilà. Finale de ce FDJ Open Series versus Fighting Street Fighter 5. Peut-être le doublé de okay. Kizu. On l'a déjà vu faire. El Doublito. El Doublito, on l'a déjà vu. Hein, nous, chez nous, on a un joueur qui s'appelle Gunny qui a rapporté 35 FDJ. Oui. Il a pu bâtir une maison dans le sud. C'est ça, une maison au bled grâce à ça. Il a nourri un pays, un peuple. Donc, on n'est pas à sa place. Alors qu'il jouait de la gare de Metz. Hein. De la gare de Metz, hein, avec, en Wi-Fi. Le gagnant se bat contre Karaté. Allez, t'as un Blanca, tu vas me le régler. Tu vas me régler, ouais, tu peux me régler non, Bridouche. Je veux pas les, je veux les laisser. Dans leur délire. C'est la Coupe du Monde. Voilà, tu vois. Ils sont heureux comme ça, je ils veux sont pas. Bien. Voilà. Les gars, un peu d'histoire. Grande finale Kizu, impressionnant Kizu, franchement. Parce que je vous dis, Materazu, quand même, on rigole, mais c'est quand même, il est très très fort. Il est très très fort. Et puis Gookie, c'est à l'enfer. Franchement, il m'épate. Ouais. Il m'épate. C'est bien joué. 14-07-2018. Grande finale, 14 juillet. Ah. Et voilà, ça sort les costumes. Birdie. Alors là, le secret, c'est simple. HK, MK, MP, HP. Voilà, t'appuies les boutons là. Et t'es bien. C'est bien joué. Elle compte, écoute. Et il est dans le coin. Et dans le coin, c'est fini. Et c'est fini. Oh la balayette. Oh, bête punie par balayette. Ah, c'est beau. Ça. Anti-air, fais la chute. Oh oui. Oh, il a pas fait combo derrière. Non, il préférait avoir. Oh, ça, tu peux punir. La phase sur la relevée. Voilà, c'est bien joué. Alors, ce qui est difficile. Je crois qu'il peut. Ah non, oh. Je sais plus si tu peux punir avec Karine toujours là. Ce coup. Ouais, attention, en réflexe, attention, parce qu'en réflexe, elle peut punir les, ouais. les bananes et canettes. Avec le dash, hein. Ouais, le cette espèce de gros saut de coup sauté là. Ah oui, c'est vrai. Donc, attention, c'est bien. Voilà. S'il joue comme ça, Craven, c'est bien joué. Attention, voilà, par contre, le coin, c'est pas bon. Le coin, c'est pas bon. Voilà, déchoppe pas. Oui. C'est bien, déchoppe pas, tonton, déchoppe pas. Dolphin ? Oh, petit Dolphin, ça se passait tellement bien. ça aurait tellement bien passé. Hey. C'est dans le coin comme ça. Oui. Voilà, c'est bien joué. Et là, Dash Jonk. Oh là là, il a tenté. Mais... Oh non, ça tue. Mais pourquoi il rate ça ? Ah, il a balancé. Lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, pas puni. Il est resté impuni. Pourquoi il rate ça ? Il rate à chaque fois son trigger cancel super là. Oh voilà. Et HP, je te dis, y'a pas de. Tu fais ça, il a crassé. Le marteau, le King Kong, round et il se passe absolument rien. Oh, c'est bien joué, hein. C'est bien. J'espère que tu protèges bien sur le chat, ami du chat. Ah non. Oh, c'est dommage, c'est bien joué. Tu déchoppes pas. Ah oh là là, il a fait double chimie à la punk. Ouais, mais pour pas. Pour pas rien faire ouais, derrière. Pour pas taper, si l'autre il déchoppe, c'est. Voilà, c'est bien joué, la chope derrière, encore une fois, shop, la pression. Ouais, la rechope, la troisième chope. Non, la troisième. Oh, c'est bien déchoppé. Attention, tu punis, hein. Tu peux punir avec MP. Oh, attention, hey, à la relevée, Stug. Attention. Il fait l'ex. Oh là là, balance. Oh bah, y a pas d'histoire. Il balance, ça balance pas mal. Il a pas peur de balancer. Oh, c'est un balanceur. C'est un balanceur, fait rempli. Il est de la race du balançage. Il y va, il s'en fout. Oh non, la canette, là, c'est mauvais timing. Les canettes sont alignées, c'est bien joué ça, attention, le chimie, il est patient, voilà, Craven c'est patient, c'est comme ça qu'il faut jouer, et au bout d'un moment t'actives, mais non t'actives, t'as pas le truc. Bah oui. Oh, il est filandreux, il va faire le ex. Il a fait le combo dans la garde. Mais ouais, oh qu'est-ce que tu fais, je t'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, Zyu. Oh, c'est bien joué, mais déjà je sais pas pourquoi il a fait ça, parce qu'elle a relevé. Peut-être qu'il a voulu faire le pif. À mon avis, il a fait qu'un quart de cercle. Ouais, il a raté le pif à la relevée qui est deux quarts avant, ça lui en a tué qu'un. Donc voilà. Mais il gère pas très bien le match-up là. J'espère qu'il a l'expérience contre Karine. Le premier à 3 matchs gagnants. Et 1-0 déjà pour Ziyu. J'espère que ça va aller. Normalement, on serait pile dans les temps. S'il y avait eu le match de la 3ème place, mais malheureusement, Materazu est introuvable. Disparition totale. Donc voilà. Attention, c'est bien joué, MP. Le bat, voilà, faut jouer comme ça. Ne laisse pas approcher. Oh là là, il est tellement fort ce coup. Tape pas. Oh là là, la pression déjà. Oh là là, il se fait complètement rouler dessus, Craven. Oh là là, il a fait en plus le zonk sans ex. 1-1-1-1. Attention, la chope peut-être parce qu'il sentit. Oh mais il arrête pas de retaper. Oh, le devant derrière. Oh, je vais pas regarder. Oh, coupe l'écran. Coupe l'écran. Il m'a fait mal, éteins tout. Coupe l'écran. Le Birdies. Allez, joue avec MP et fais des ex, fais des trous de tête ex de temps en temps, ouais, ça fait du bien. Pour, le point se rapproche, la mais voie ouais. La lutte. Mais pas maintenant, avant. Avant, c'est pas possible. Fais-le quand il faut. Le chimie, c'est tellement bien joué. Oh, il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien qu'il joue fion, le Oh là là, j'ai mal au fion. Ah, j'ai mal. Hey.
Attention à la relever. Oh là là. Mais c'est ça, tu sais, une fois que tu fais tomber Birdie dans le coin, mais oui. Chop. Mais c'est ce que les tiens, les gens, ils arrivent pas. Il va rien se passer, tous ces reversos se font choper. Mais oui, mais Birdie en plus contre le coin, il est faible. Donc il a pas de pif, il est faible. S'il a son relevé ex. Ouais, mais c'est chopable. Mais c'est chopable, voilà. Et la chop spé avant était un chopable. Et maintenant il est chopable. Donc maintenant, tu te poses plus de questions. Avant, il y avait une infime possibilité que le mec soit un génie et pour la Shop Spé X. Je me rappelle, des fois, tu disais, bon, je le fais, ça rentre, mais là, ça sert plus à rien. Ouais, mais Ménard, quand il a été champion à Capcom, ouais, il n'hésitait pas. Hein, ouais, il l'a fait 2-3 fois. Mais Ménard, il est ultra fort dans les pokes, en fait. C'est le secret avec Birdie, il faut jouer en poke. Et en fait, il joue pas assez bien avec les pokes. Ce qu'on appelle le poke, c'est le jeu neutre, hein, c'est le jeu au sol. C'est-à-dire vraiment les coups par coup. Ouais, balancer les coups à mi-distance. Balancer à mi-distance. Voilà. Mais là, Kizu, il domine totalement sur ce. Ouais, gros pied, MP, et puis qu'il est un peu plus mobile, quoi, qu'il fasse des dash arrière, ouais, c'est bien joué. Allez, c'est maintenant là. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu balances ça comme ça? C'est tellement pas safe. Oh là non, pas. Oh là là. Les gars, il est 18h32, faites rêver un peu. Ouais. Les gars, on est en avance sur le truc. C'est pas possible ça. Avec Kizu qui déroule. Oh, il déroule. Balle de double FDJ Open Series, sont peut-être. Deuxième FDJ, voilà. Allez, la deuxième, le dash, et voilà. Allez, Dolphin, encore, fais-moi plaisir. Oh, tu l'aurais fait. Oui, il a tenté. Tu l'aurais fait le deuxième. Hey, c'est bien joué. Voilà, la relevée derrière, attention. Joue solide, arrête de taper. Hey, la balle est derrière, attention, il va choper tête. Ouais, reste bloqué, voilà. Tu viens reversal, t'attends. Prends ton temps. Voilà, tu balances ça. Une petite canette, voilà. Oh, c'est bien joué à la relevée. Ah, le mauvais choix. Qui veut la chop spé en sautant et puni pour une victoire dans ce tournoi FDJ Open Series Street Fighter V. Street Fighter V. Je ne sais que dire à part qu'il s'est fait écarteler sur la place publique. Franchement, j'ai pas de mots. Alors Craven, honnêtement, tu gères pas bien le match, Karine. Ça doit être ça. T'as pas l'habitude. Sinon, t'as très bien joué. Franchement, bravo à toi. Et Kizu. Beau parcours, mais Kizu, que dire Kizu. C'est Kizu. Et donc, est-ce qu'on a retrouvé Zera pour faire est-ce la Est-ce que Zera a été revu dans est-ce une rue voilà. Si le petit Zera est appelé en question. Le petit Zera. Tu sais, non, t'as l'alerte à la télé. Le petit Zera. Comme tu sais, quand tu te perdais dans le magasin et que ta maman t'appelait. C'est ça. Moi, j'étais sur le caddie des fois. Ouais, tout seul sur le caddie. On t'avait abandonné. On abandonnait des fois. Du coup, on me la fait pas comme ça. Oh là là. Bon, bah, Craven qui est là, qui reste dans le. Qui reste dans le salon, ça sert à rien. Hein. Bravo. bravo. Yes. Double vainqueur de ce FDJ Open Series. L'ami Kizu, malgré son jeune âge, et ben franchement, il bat encore une fois déjà Amaterasu, qui est un des meilleurs français, et il gagne tout le tournoi. Il gagne deux fois le cash prize, il est double vainqueur. Bravo à lui. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? Est-ce que tu nous fais un petit match en ligne ou pas? Moi? Ouais. Fais-nous un petit Blanca. Ah, mais à la manette, moi, je sais pas, moi. Pourquoi à la manette, tu sais pas? Joue au stick. Oh, le mec. Je suis un mec du café. Bon, c'est un mec du flipper, du cacolac. Oh, le mec, on leur donne ça, ils prennent ça. C'est pas possible. Bah, on a qu'à faire la match. C'est quoi, on a qu'à inventer une troisième place. On a qu'à faire Bridouche contre. Bridouche. J'ai invité Bridouche, il va jouer contre. Il va jouer contre Craven, tiens, encore une fois, je sais pas. Pour la quatrième place. Voilà, la quatrième place. Du coup, il va perdre de l'argent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais toi, tu le tues, le Bridouche. Bridouche, ah, sur cette télé, j'ai du lag. Ah, ça commence. C'est bon, ça. Elle est bien, celle-là, non? Elle est bien celle-là. Ouais, tu sais quoi, moi je vais te le tuer ton pote. Moi. Bon, qu'est-ce qu'on se fait, les tontons en régie? Est-ce qu'on se fait une match troisième place fictive? Est-ce qu'on joue en ligne? Qu'est-ce qu'on peut donner au public à manger? Nourrissons-les. Ah, il est là? Il est là? Il est revenu? Ah, bah voilà. Ah, bah merci. Bah invite-le, allez. Ah, bah dis donc. Ah, donc on fait. Donc la finale a eu lieu et on fait la troisième place. C'est le contraire de la Coupe du Monde. Hein. Bah ouais. Aujourd'hui, il y a la troisième place. C'est quand? C'est ce soir? Et hein, demain, il y a la finale. Bah je crois que c'est en ce moment même. Hein, où c'est fini. C'était pas 17h, c'est peut-être en ce moment même, ouais. Je sais pas. Amaterasu. Rejoins-moi, Amaterasu. Bon, Amaterasu qui peut se refaire. Hein. Il peut se refaire une santé, hein. Ça y est. Tu peux te refaire, c'est comme au poker. Ah, mais je sais pas, là, du coup, il joue avec son stick qu'il a revissé.
tu sais, le stick il prend tout, il va jouer comme ça. Il a explosé contre le mur et là. Oh là là, et si on a le temps après, je fais. Ah, la Gelbic a gagné. La Gelbic 2-0 pour. Putain, c'est beau. C'est beau, hein. Belgique. C'est beau, franchement. Ah, ils ont joué comme des bœufs, franchement, tantôt. On a joué contre la France, on s'est fait un petit peu jouer, comme ça, franchement, j'ai joué comme des bœufs. Ridouche, il est là, fair play, même. Même il, remet, il remet les 20 euros. Il remet les 20 euros, tu sais, je les remets. Il est là, allez, sur la table, c'est bon, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Et Amaterasu, hein, qui fuit, hein. Il fuit versus Sama. Ouais, ouais. C'est quoi, si on avait le temps, moi, je te l'aurais pris ton Kizu, là. Je t'aurais montré comment on marche le versus. C'est vrai? Non, je sais pas. Je sais pas. Amaterasu. Amaterasu. Ben oui, c'est vrai que Millet. Tu es la branche Street Fighter. Bah, évidemment. Ah, il redémarre, il rebranche tous les fils. Il remet le CD. Alors qu'il joue sur PC, on l'a vu. Hein. Ouais, mais il a cassé le PC. Ah, il a cassé le PC. Donc, d'accord. Il va chercher la Play, il rebranche tout. Je pense que c'est ça. Il jouait sur son PC portable. Voilà. Qu'il a envoyé contre le mur. Qu'il est chez le voisin. Forcément, le balcon. Forcément, forcément. Bon, demain, là, France-Croatie, là. Oh. D'ailleurs, à l'avant-première de Mission Impossible, il y avait Lyon-Turam. Ah ouais, il y avait fait, c'est pour toi demain. C'est comme, s'il jouait. Il y avait Tutu. Putain, j'aurais dit bonjour. Moi, je l'ai vu, Thuram, lors d'un entraînement quand il était à Barcelone. Ah ouais? Tu te souviens, il y a une année où il a joué à Barça. Bien sûr, ouais. Voilà, bah, j'étais là. T'étais là. Il y avait Messi, il y avait Deco encore, il y avait Thierry Henry. Deco. S'entraîner avec Thierry Henry. Brico Deco, ah ouais. Bah, oui, bah, il y avait Tutu et Thierry Henry. Tutu, Titi. Ouais, ils étaient au Barça. Oh là. Je les ai vus, j'étais devant moi là. Comme là, même pas à deux pas. Même pas à deux pas. Comme je te vois. Comme je te vois. Comme je te vois. Oh là là. Lyon Thuram, bon gars. Hein, bon gars. Bah, il y a des lunettes déjà. Déjà, il y a des lunettes. Tu sais, j'ai une anecdote de Lyon Thuram à Game One. Ah ouais? Très sympa. Lyon Thuram, il a été invité. Tu sais, on dirait les histoires à l'époque. Lyon Thuram a été invité il y a quelques années. Il était venu il y a vraiment longtemps, l'époque de Level 1, tu sais. Et il y a très longtemps, il venait de gagner la Coupe du Monde, tu vois. Mais il n'était pas encore, à dire, très connu. Du coup, il va à Game One, tu vois, il est là, il se balade et tout. Et là, il y a une stagiaire, tu vois, une fille qui connaît rien au foot et tout. Elle voit Thuram, tu vois. Et Thuram, tu vois, il est en train de, t'es à la fontaine, il est en train de bidouiller l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et la stagiaire, elle vient, il fait, ah bah c'est gentil d'ailleurs, monsieur. Vous pouvez d'ailleurs me remplir la prochaine bouteille parce qu'on en a plus. Et Thuram la regarde, ah ouais. Il fait, pas de souci. Et du coup, il le fait, tu vois. Très sympa, le mec, il range l'eau. Et après, évidemment, ils sont arrivés, il fait, mais qu'est-ce que tu fais, Lyon Thuram? Et voilà. Comme quoi. C'est un vrai bon gars. T'avais pas belle cette histoire. J'ai rien compris. T'as rien compris? Oui. T'as compris? En fait, mais l'eau, en fait, ils l'ont bu après quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Que tu me parles de ton eau là. Merde. Thierry Henry qu'on embrasse. Et Didier Deschamps, fais-nous rêver, Didier. La Dèche. Sur le pun technique, le contact technique, bien vu sur le stream. La Dèche. T'as, s'il perd en finale Coupe d'Europe et s'il perd en finale Coupe du Monde, il aura un bon palmarès quand même. C'est bon, c'est pour lui. Ça mais gagne demain la France, je vous le dis moi. Tu sais que les Croates, ce qu'ils ont 1-0, but de Giroud. À la 87e. Moi, je dis coup franc de Charbonnier. Vous l'aurez vu ici. Vous l'aurez vu là, à la 87e. But de Giroud. Vas-y, je mets combien? Je parie. Paris sportif, je mets combien? De l'orteil droit. L'orteil du talon. Ouais, je pense que c'est cool story, bro. Bah, c'est une histoire vraie, hein. Franchement, c'est une histoire vraie. Il y avait qui à l'avant-première de Mission Impossible? Il y avait Lyon Thuram, il y avait du beau monde. Attention, il y avait du beau gratin. Il y avait des mecs de Secret Story. Ah ouais? Ah, attention, du beau linge, les gars. T'es la réalité. Non, et du coup, tu vois, toute l'équipe, on s'est dit, bon, ils vont se barrer et tout, tu vois. Les mecs, ils montent l'escalier, ils commencent à s'asseoir. Fait, mais ils s'y foutent. Ils se sont matés le film. Tu vois, en plus, c'est les producteurs. Tom Cruise, il a vu le film 102 fois, tu sais, en post-prod, machin. Ouais, il le regarde. Bah, il s'est resté avec nous, franchement. Beau joueur, le mec. Beau joueur. Donc voilà. Et Simon Pegg, évidemment, Shaun of the Dead, je suis fan. Personne applaudit, mais moi j'étais là, je me suis levé. Ah ouais? J'ai crié. J'aime bien Simon Pegg. Shaun of the Dead. Il ressemble à Tom. Ouais, le meilleur. C'est abusé. Hein. C'est abusé grave. Et bon, que Amaterasu. Donc Amaterasu, il nous fait chier là. C'est quoi? Il rebranche sa console, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il... Il a un abonnement? Qu'est-ce qu'il fait Amaterasu là? Oh, à quoi on joue là? En tout cas, on remercie Bridouche pour sa patience. Bah, son fair play, évidemment, de remettre les 20 euros en jeu. Hein. Franchement. Et il attend Amaterasu pendant 3 heures. Il aurait pu dire, tu vois, j'arrête, hop, je suis là, c'est les règles du jeu, je prends les 20 euros. Eh ben non. Tu vois. Ah, peut-être que c'est pas son même pseudo. C'est quoi son pseudo sur PS4 c'est le même. C'est le même. Ah bon, bah, c'est...
Ah, en fait, il redémarre. Ah, c'était bien le mec, PC. Ah, il sait plus quoi voilà, faire. C'est bon, il est là, il est là. Ah, bah, voilà. Ouais, bah, voilà. Allez, enfin. C'est, franchement, ça, c'est FM 68. Oh là là, je te jure. Allez, je vais au bout de la file. C'est parti. Amaterasu Bridouche en deux, hein, cette fois-ci. En deux, environ. Environ deux. Le match pour la troisième place. Est-ce que Amaterasu va se refaire? Je l'espère. Là, c'est pour lui, normalement. Il a de l'expérience, c'est Nash. Parce que là, il en a bien besoin. Deux fois une finale de perdu, tournoi de perdu contre le même joueur. Ça doit... Merci pour ce combat. Il avait merci pour ce combat. C'est la phrase fair play. Merci pour ce combat. Pour cet argent. T'imagines. Et après, on a quoi juste après? En Regis c'est fini. Après, il n'y a personne. Il n'y a pas un squeeze. Après ça, il y a Live Training. Ah, Live Training. Il y a qui dedans? Live quoi? Live Training. Ah, ah c'est pour ça, y joindre Luthi à l'agréable, le meilleur d'entre nous. Oh, Luthi, c'est le meilleur. Luthi ou Luthi? Luthi le bonbon. Luthi. Luthi. Allez. Incroyable. Incroyable, le meilleur. Allez, Amaterasu Bridouche, c'est parti. Ouais. Match de 3ème place. Deux, wow. Deux ça rentre ça? Bah, oh, ça rentre en combo. C'était pas en counter en plus. Ouais, c'était... Ah oui, c'est vrai qu'il peut attraper les boules. Une petite team. Ah, la boule, hey. Mauvais moment. Hey, ah, là, par contre, il veut sa 3ème place. Ah, là, des chopes bourrés. Il s'est fait enfler, il veut sa 3ème place. Hop, et cette fois-ci, chop. Voilà, bien joué. Oh, oui. Bien joué. Il se barre, c'est barre bien, du coin. En plus, il y a le stun qui redescend comme ça. Voilà, attention. Ah, là, hey. C'est bien joué, tiens. Le mix. Ouais, c'est soit ça ou la chop, hein, de toute façon, c'est assez. Oh, le combo, c'est bien oh, joué. Oui. Oh non, il a raté. Oh, il aussi. Oh, les deux, ils sont plus dedans là. Ils sont plus dedans, ils sont... Oh, il a mort sur une vieille boule. Ils sont... ils sont ternis par la douleur, la défaite. Ils je sont... pense bah, c'est des hommes blessés. Ah, comme des loups. Tu sais, comme des loups, la patte qui traîne, c'est pas beau à voir. Ah là là, hey, le mauvais entier. C'est bien joué. Derrière, hein, la chope, c'est bien joué. Le BAM, le HP. Bête, elle est toujours forte. Hein. Ah là là, le cross. Oh, petit combo, c'est bien joué ça. La barre de serre remplie, hein, Amaterasu, la barre de super. Pas moyen. Moyen point à l'infini. C'est ouais. Le meilleur coup du jeu, hein. Y a pas d'histoire, attention, tu risques ah rien. Oui, combo. Hop. Et combo, ah c'est fini. Salut. Il veut ses 22-2. Hein. Tu sais ce qui serait beau? Là, c'est en 2. C'est en 2 là. Là, c'est en 2. Tu sais ce qui serait beau, c'est que même si Amaterasu gagne, il devrait faire un 50-50. Un petit 10€ chacun, je veux dire, attends, on se mange pas de pain. Tu vois. Il devrait l'inviter, je pense, inviter Bridouche. Invite-le en resto tête à tête, parle-moi de cette défaite. Parle-moi de ce tournoi, dis-moi comment c'est. Comment tu kizou, t'as un plan FDJ, est-ce que t'as un plan? C'est très bien joué. Allez, c'est bien joué, un rappel Bridouche avec Nash contre Amaterasu, le finaliste hein, du dernier FDJ Open Series sur Street Fighter 5 qui a perdu contre Kizou. On le rappelle, Kizou vient de remporter le tournoi. C'est le match de la 3ème place, le combo. Enfin, c'est fort ce combo. Oh ah, là là, et ça derrière, évite la shop. Qui évite tout, ce coup magnifique. Ouais, il est en l'air, il fait avant HK, il fait un petit saut. Hey. Un petit saut, du coup il est en l'air, il évite la shop et... Oh, c'est. Il n'y a même pas de match là. Il n'y a même pas de match, je ne sais que te dire. Ah bah, du coup, là, on l'a envoyé au casque. Oh, mais. En fait, depuis tout à l'heure, on l'emmerde pour venir. Ouais, mais tu sais quoi, il n'a pas envie de jouer. Il n'a pas envie de jouer. Il est ouais, là. Il est là pour faire plaisir aux gens. C'est un entertainer. Il est là, le bride. Hey, oh, hey, là, là, fais bien jouer. Entière. Voilà, c'est bien derrière. Et encore ce coup, oui, bien joué. Oh, c'est bien joué la spéciale. Le derrière, il y a un reversal, c'est pas possible, c'est japonais. Qu'est-ce qui se oui. passe? De devant ah, derrière. Allez, le comeback, c'est bien joué. Il reprend de la vie encore une fois. Allez, Bridouche. Bridouche, le bride. Le comeback japonais. Le comeback ouais. japonais, c'est bien joué. Le reversal. Oh là, c'est bien joué derrière. Ah, oh, devant derrière. Sorti, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il est fou. Hein. Il est complètement fou. Oh là là, Bridouche. Tu me fais ce comeback là, je me mets nu. Je me mets nu là, complètement. Je te dis attention. C'est bien joué, attention, le comeback. Le fire. Ah. Oh non, il a failli le BMP. Le BMP. Combo, attention, il va bourrer un Shoryu. Je sais qu'il va bourrer un Shoryu. T'as ta barre de super, fais pas n'importe quoi Bridouche encore une fois. L'antière c'est bien joué le Sonic Boom. Bridouche. Derrière c'est oui bien joué. Allez tonton, c'est japonais, c'est lituanien, c'est japonais, c'est coréen, c'est ce que tu veux, on y croit. J'y crois. Bridouche. Et là c'est Amaterasu hyper. Là il se tue. Il attendait de voir la 3ème place, là il se pend. Là le PC il redémarre. Là il redémarrera plus jamais de sa vie. Oui. Abonnement Cloud Gaming, c'est bien joué derrière. BAMP, le Fire, hey. Attention, un petit pif là. Vas-y maintenant. Oh mais fais là, le pif, tu pars avec envie, tes barres. Hey. Et c'est la fin, applaudissements. J'applaudis. Pourquoi tu meurs avec ta barre de super? Tu sais que tu moi peux bourrer. Pas, tu fermes les moi, yeux, tu fais le dé à coudre. Tu fais le dé à coudre. On leur donne ça, pas. Ils prennent ça, les mecs. Putain, c'est pas possible. Non, mais ouais, c'est vrai que là-dessus, tu dis. Bon, bah, t'as rien à perdre. Pif. Parce que là, je suis sûr, s'il gagnait ce match, dans la tête d'Amaterasu, ça aurait tremblé. Ah, bah, ça aurait. Ouais. Ça aurait frétillé.
si je peux dire. Ah bah tu sais quoi, faites un autre match, allez, faites-vous plaisir. Allez, fait, bah tu sais quoi, c'est pour moi. Allez, faites un autre match. Hey, mais on a qu'à dire 103, ce que j'ai mis en 3. Ah, t'as mis en 3. Donc on a qu'à dire 103. On a qu'à dire 103. Allez, 103. Petite finale. Petite finale en 3. Ouais, bon, c'est Le bonus DVD. C'est hein. Le bonus c'est le bonus Blu-ray, les coulisses des acteurs. Les coulisses de Live DJ. Comment ça se passe? Hey, oui. Oh là là, sont deux en 3 en 4, c'est ouais, magistral. Ça ressemble quand même à grosso modo ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, ouais. C'est la suite du 1, mais en. C'est la fin du stream, non? C'est bien joué, Sonic Boom, encore une fois, le dash, le comeback japonais. J'y crois encore, Bridouche. C'est pas possible. Te fais pas lavementer comme ça, t'en as vu d'autres. Ah oui. FDJ, le Tatsumaki. C'est bien joué derrière, encore une fois. Le gros MP, c'est tellement pété ce perso, c'est ça qui fait plaisir. Oh, voilà, il s'en fout. De côté. Oh, il mâche les boutons, mais il a les yeux fermés sur la manette. Quoi. Oh, il s'en fout. Mal. Oh non, il s'en fout. Attention. One, là, two. Là. Est-ce qu'il va le reset et avec. Et la puissance du terre de feu. Ça passe. Ça passe en combo. Même pas en ligne de quoi que ce soit, tu mets en nature la super et c'est direct. Ça fait mal. Franchement, Amaterasu, il mâche les boutons, il a les yeux fermés sur la manette. Hein. Il se fait plaisir. Allez, c'est quoi, c'est allez, en 4. À 5ème, c'est pour moi. Allez, c'est pour moi. FT10, et on n'en parle plus. Et victoire cette fois-ci d'Amaterasu qu'on embrasse. Enfin, victoire, 3ème place, hein, parce que malheureusement, il a perdu. Après avoir fait finale, 2ème, après avoir fait 3ème, peut-être que la prochaine fois, il fera 4ème, un suspense. Ou peut-être il sera bon. Moi, je pense qu'il va step up. Il va step up. Bon, bah, toi, Amaterasu. Victoire, et cette fois, il s'en va comme un prince. Les meubles sont sauvés, il ne s'énerve plus, il ne cassera pas tout ce qu'il y a. Et bravo à Bridouche, parce que ça, c'est du fair play. Ouais, Bridouche, bien. Tu sais quoi, bien, on t'envoie l'oseille, nous. C'est le gros mytho. Je vais mettre ma poche. T'as quoi sur toi? Bravo à toi, bravo. C'est la fin de ce tournoi. Et Kizu qui remporte pour la 2ème fois d'affilée ce tournoi VDJ Open Series. Tu m'as dit qu'il était jeune, hein, ce ouais, Kizu. Ouais, il est jeune. Il est venu à une ciné-session, on était surpris. Franchement, c'est ouf. Hein. Parce que franchement, on rappelle, Karine, c'est quand même pas un perso pété comme la saison 1. Il y a eu des nerfs, le perso est quand même moins fort, il fait moins mal. Et du coup, c'est un perso qui a des bons coups de base, qui marche vite, qui chope loin. Qui a des bons pokes. Hein. Ouais, si t'arrives à amener au coin. Le jeu de corner, il est ouf. Il est toujours divine. Mais du coup, Bridouche. Ah là là, on oublie comment faut jouer au pire moment. Ah voilà. Ouais, mais c'est bon, mais on te pardonne. T'as gagné l'amour du peuple, qu'est-ce que tu veux de ça en plus que de l'argent. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Comme dans les trois frères. On est une famille, ça vaut toutes les thunes du monde. Je peux pas en vouloir, mais je préfère la thune. Bravo à toi et bravo à Kizu. Bon, bah, du coup, on finit là-dessus. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se finit là-dessus ou on se fait des petits matchs bonus? Ou on finit là-dessus? On laisse l'utilise défouler? Qu'est-ce qu'on fait? En régie, c'est toi qui décides. C'est toi l'homme de la situation. Allez, tu sais quoi, tu m'as fait chier. De toute façon, les mecs comme toi, je les connais. C'est le mec qui s'énerve, c'est gratuitement. C'est... Alors, option de combat, je vais prendre mon perso. Parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas. Tu sais quoi, allez, au pif. Lance-moi un match là, attends. Abby, il est où Birdie? Loin. Birdie, voilà, Birdie. Voilà, Birdie, je configure ma manette, je vais te montrer comment ça marche. Allez. C'est pas Birdie là. Pourquoi c'est pas Birdie? T'as pas changé, ça va, je suis encore d'où je viens. Voilà. Finally confident. Allez, match classé, je vais te montrer comment ça marche. Allez, vas-y, montre-moi. 5, voilà, indifférent, lancé varié. Lancé. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais te montrer comment ça marche, je suis pas payé au quart d'heure. C'est vrai. Quoi? C'est vrai, je vais enfin voir comment. Et on fait un match chacun. Ah non, mais je te laisse. T'as un birdie? Moi, je suis pas dans une équipe pro, la mêlée, tout ça. Tu montes pas tes trophées comme ça. Voilà, je suis pas. À la vue de tous. Moi, je te laisse. En tout cas, j'espère que tous ceux qui. C'est vrai, la team, quoi. Bah, t'as du beau level quand même. C'est vrai qu'on a Shenzo. Bah, Shenzo, un grand joueur de Street Fighter. Il a pas fait le tournoi. Ah, il est chez lui? Bah, je sais pas. Ah, non, c'est à toi. Ah, c'est le mien, celui-là. Mais fais-toi plaisir, regarde mes messages, vas-y. Regarde mon compte bancaire, fais-toi plaisir. il casse tout. Là, voilà, c'est comme ça. Donc, je rappelle tous ceux qui ne connaissent pas le Versus Fighting, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire à chaque fois. FDJ, c'est gratuit. C'est l'occasion de jouer contre les meilleurs joueurs français et gagner de l'argent. Il est vrai. Donc, faites-vous plaisir. Hein. On progresse en s'amusant. On progresse en s'amusant, ça mange pas de pain et franchement, on se fait toujours plaisir. Commentez évidemment. Déjà, par karaté, c'est toujours un honneur que je dise. Non, c'est vous. Je suis après toi. Je te dis que non. Bon, je vais jouer contre quelqu'un et je trouve personne. Bon, attends, je vais te rechercher un centre de combat. Je vais te soigner. Je vais te soigner un mec, moi. Oh, il y a que des Américains. Ça se trouve, on a une connect. Ah ouais, mais là, ils sont deux là. Joe, José là. Voilà. Ouais, mais non, mais regarde son drapeau. Ouais, mais il a une bonne connect. Bon, vas-y, tu le tues.
Tu le tues. Mais tu tues. Tu le tues la tulipe. Voilà. Mais t'es prêt, sûr. Mais attends, prêt. Il vient du Chili là. Ouais, mais non, il a une barre en moins et mais tout. Mais non, mais appuie start. Il a, je te le dis, il a une bonne connexion lui. C'est un faux drapeau. Non, mais déjà que j'ai une lag, j'ai un mais lag. Tu mets le drapeau que tu veux. Mais j'ai un lag de la télé si tu m'as rajouté un lag dans le jeu. Tues. Putain, mais qui c'est qui m'a foutu hein. Monsieur Blaise m'a tué dit. Regarde, tu vois, c'est fluide là. Ouais, dans le menu. Le blanc qui est invincible. Plutôt birdie. Joueur 1. Choisis un niveau. Nous jouons à Street Fighter 5, le jeu tant attendu voilà, de ces dernières années. Fluide, en plus, tu mets ça et tu mets contre un joueur super diamant là. C'est dur. Oh, le Zangief. Oh, ça, tu connais. Banane. Banane canette. Banane. Non, même banane. Même banane tout seul. Ouais, banane tout seul. Banane tout seul. Banane, banane tout seul. Banane tout seul. MK, MK banane, MK, banal. Par contre, si ça lag, je m'en viens. C'est le même, la princesse. 14-7-2018. Sauf si ça lag, on n'aura pas le temps de relancer. De relancer, il est 52, ouais. on en fait un ou deux, puis après ah on ouais, mais faut que tu te sortes les doigts à un moment. Sortir les doigts, les mecs. Faut pousser la alors, est-ce que ça lag? Est-ce que ça lag? Mais alors, regarde. T'as vu? Regarde. Alors. Voilà. Hey. Oula. Oh, ouais, oh là, ça lag horrible. Il va sauter, oh. Il va sauter. Je sais qu'il va sauter. Tu le sais qu'il oh va sauter. Là, il hey, ne saute blanche. Pas, ne saute pas, je te voilà. Dis. Hey, ne saute pas, je te dis. Reste sur ta banane. Oui. Ah, il va sauter, je vais le dolphin, voilà. Oh là là. Et là, ça, dash, objet, dash objet. Shop, dash shop. Ah, ah non, non, objet, oh là là. Objet. Et là, je suis mort. Ah là, t'es cuit. Hein. Non, c'est bon. Il va sauter. C'est bon, c'est bon. MK, ah. MK, plus, deux, toujours par deux, le MK. Oh là là. Oh la patate mama. Ah, l'objet, la objet. La banane. La banane plantain. Ah, voilà. T'inquiète. Hop. Dolphin, Re-re-banane. Dolphin. Non, banane, les yeux fermés, non. Attends. Les yeux fermés, non. Les yeux fermés! T'as mis deux balayettes de levant, ça l'a mis stylé. Il a fait qu'est-ce que ça l'a mis. Il a fait qu'est-ce qu'il fait, le gars? Oh là là, énorme. J'ai un lag, mais bon, énorme, c'est pas ce birdie. Énorme. Ce birdie, il va sauter. Ah merde. Oh, ah, il oui. T'a cassé ton entière, c'était bien joué ça. Bah, objet. Prenez l'objet. Prenez le dolphin parce qu'il se le prend, évidemment. Voilà. Là, il va vouloir backdasher, du coup, je le fais slide. Et voilà, je te connais. Allez. 1-1-1-1, je pack de l'autre côté, 1-1-1-1-1, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, hop, et il voit rien, c'est bon, allez, c'est bon, allez, c'est bon, allez, foutez-moi le corps, allez, remballez, c'est quoi ton jeu, c'est quoi celui-là, le technicien, remballez la boutique, on y va, allez, c'est parti, c'est super diamant ça, je peux le garder ça, je le vire, ah mais ils savent pas quitter, ils savent pas d'où tu viens, et comment partir au bon moment. Ah, c'est first ou deux, tu barres. Hein. Tu barres je me barre tout seul. C'est la loi. Voilà. Et arrêtez le combat. Et le win quit. Le win quit. Merci. Bien sûr. Attends, je vais y mettre. Pardon. Ah, il s'est barré. Ah, avant. Il bon, s'est barré. Bah, voilà. Il a compris que t'étais une hystérie. Une hystérie sans nom. Elle est magnifique. Ouais, c'est la base. Voilà, gars, c'est comme ça que ça marche le jeu. Bah qu'est-ce ouais, que tu veux. Il nous oblige à un moment, les gars. Je veux pas montrer, c'est eux. Il me dit, prends la manette au bout d'un moment. C'est pas possible, ça. Bon, voilà, on va finir là-dessus. Au moins, on va laisser Lutti, le meilleur d'entre nous. C'est Lutti et qui Lutti. Oh, chez toi. On mange chez toi ou chez toi. Chez toi ou chez moi. Elle est vite fait. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous ceux qui ont suivi oui. cette journée FDJ Open Series. Oui. Merci à toi, c'est un honneur. Merci à vous, Genius. Merci à le stream. Merci à la FDJ. Merci la France. Merci la France. Et demain, on gagne. Et demain, on gagne. On gagne. Nous, les Croates. C'est qui casse tout, tu sais. Merci beaucoup. N'hésitez pas sur le site FDJ. Renseignez-vous. Et puis à la prochaine. Maintenant, c'est Lutti et chez toi. À bientôt. Bonne soirée.